différentes télécommandes. On va voir, ça va être un peu mieux quand même. Me voilà enfin. Temps de join the world. Comment ça va, Matt, Ria, Kesha, Clampin? Coucou, Madame Oya. Hein? Ça va, Clampin? Pour faire un peu de ménage aussi dans le stockage, hein. Bah oui. Bon, ça prend toujours un petit peu de temps à joindre. Ah bah ça, c'est le plaisir des grands modpacks, ça. Oula, pardon. Ah, je suis en l'air. Ben oui. Forcément. Hop, voilà, je suis là. Enfin. Ça y est. Ouais. Bon, écoute, on dirait bien, hein. Hop. Bon. J'ai fait pousser des trucs cet après-midi. Pendant que Delphine se pétait. Si on se mettait de la musique, ouais, quand même. Bien pété en plus. Hop. Ça y est. La musique devrait arriver. Alors, allons voir ça. Oh oh! T'es en train d'arriver, hein? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ça? Parce que ça fait un petit moment que je regarde et que je me demande ce que c'est. Ça, c'est ce qu'on appelle les traveling corps. Les traveling corps, en fait, tu les poses dans des endroits dans le monde, tu leur donnes des noms, et quand tu vas dessus, en fait, tu vois tous les autres blocs qui apparaissent, et il suffit juste de viser celui qui t'intéresse, et tu fais un clic droit. Tu peux partir au PNJ, tu peux faire occultisme, retourner au PNJ, au stockage, aller à la table d'enchantement, revenir au NPC, au stockage, et ainsi de suite. Dis, mets-toi dessus, oui. Et regarde autour de toi. Tu vas avoir des choses qui vont apparaître. Ah, d'accord. Ah oui, c'est plus clair comme ça. Ok. D'accord. Clic droit. D'accord. C'est dingue. Ça te permet de téléporter directement des différents endroits. Ok. Ok. Je me demandais vraiment ce que c'était. Alors, ça a une portée limitée. Donc tu pourras pas tous les voir, mais tu peux les enchaîner les uns derrière les autres. Okay. Et tu as un bâton, en fait, le travel staff, qui permet sans forcément être sur le bloc, à voir les blocs qui sont et pourra te taper directement dessus. C'est dingue. Ok, merci. Après, on a la version améliorée plus qui est le tempad. D'accord. Ça qui permet effectivement de poser des points de téléportation n'importe où on veut. Hop, petite porte. Et hop là, là je suis dans l'usine. Coucou. T'es dans l'usine, tu dis tiens, je suis dans la base. Hop, je suis dans la base. Hop. Et ça fonctionne interdimension. Là par exemple, je vais dans l'end. Ah, il est dans l'end. Voilà. Ok. Non, bah c'est bien, c'est cool. Coucou Monsieur Balou. Coucou. Alors ? Coucou Balou. L'exploration a donné quelque chose ? Ouais, bon, ça va. Je vais me démerder.
Bon, bah écoute. Poulet pané, pommes de terre, haricots, voilà. Ah oh, ouais, ok, d'accord. Oh putain. Prout, prout. Dalphinus, tu sais que tu streams sur deux trucs en même temps? Ah oui, ce serait bien peut-être que tu T'es coupes le stream Discord. toujours sur Discord. Ah oui, pardon. Ah, c'est paf, ah plus Discord, voilà. Ah, c'est fini. T'as qu'à venir sur Twitch et puis c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Bon. Y'a, yeah, ok. allô. Eh, quoi? Tiens. Ah, yeah, yeah, il est là. 3DX de 64K. 3DX de 64K, là on est bon. Et en plus, j'ai commencé à faire les Wireless Crafting Terminal. T'as regardé dans le storage là? Parce que j'en ai envoyé des disques tout à l'heure. Bah, de toute façon, on va tous les récupérer, d'accord. Ouais. Ok, parce que je j'ai fait du les 16. Advanced Inscribers. Ils sont faits, ils sont prêts, prêts à être utilisés. Donc il faut tout setup. Allez hop. Calme, et on cherchait une solution pour incruster les ME contrôleurs dans le. Ah oui. Enda. Il y a encore une 64K dans le storage. Ah oui, je te dis, j'en ai envoyé quelques-unes de disques. Encore, il faut mettre ça dans le mur. Dans le mur. Coucou, Arlouk. Les ME contrôleurs. Bonne année, Arlouk. Comment vas-tu? Coucou. Ah oui, et coucou tout le monde. Sur les deux chats. Coucou Ikesha, sur le mien. Coucou Ikesha. Bon, comme tu as pu le voir, Ikesha, on a un peu avancé. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Bonsoir, Clopin. On est presque à l'endgame, là, non? Non, ça va pas taper. Se calme, non, non. Se calme. Ça va pas taper, pas taper. Attention à toi, attention. Je suis caché. Moi, je voulais me faire des cisailles, aller dans la Twilight, puis récupérer des jolies feuilles violettes. Voilà. Allez. Voilà. Nous, on va setup le. Hop là, il y a un. Ouais. Et on faut qu'on trouve une source d'énergie. Oh, je sais plus écrire. Ah oui, parce qu'à Play. Non, regarde, les 43 FE parties, donc ça va. Ah ouais, non. Ouais, mais c'est quand on va commencer les. Bah là, il n'y a qu'un seul. Ouais, puis il n'y a qu'un seul, là, DME contrôleur. Donc ça va commencer à pomper. Moi, j'en ai pas pour longtemps, je vais revenir vous surveiller. Ah bah on est surveillé, Balou. On est surveillé. On est surveillé. C'est pareil, les cultures, va falloir les refaire. Hein. C'est rien. Hein. Ouais, ça va, j'ai des portails de partout. Ouais, on vire les waypoints. Comme ça, c'est plus... Non, c'est vrai, ouais. T'as raison. On vire les waystones et tout. On se le reste, nous, tout seuls. Tous les deux. Ah, pardon, excuse-moi, hein. Des fatulences. bah voilà. Donc, je pensais peut-être l'incruster dans ce mur-là, de toute façon, central. Ouais. Mais on se fait un 5x5. Du feuillage rose aussi, c'est joli. Ouais. Allez, mais au point de vue stockage, je sais plus le nom de ces machins-là. Ah. Les modular storage. Ouais. On met tout dans disquette ou on garde une partie là-dedans? Alors, tout RF storage va partir de toute façon. On garde plus RF storage. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on extrait manuellement, je pense, des storage, qu'on insère ce qu'on veut dans Applied et qu'on vérifie s'il n'y a pas besoin de mettre des drawers en plus. Allez. Ouais, bah ça il faudra faire machin par machin quoi. Machin par machin. Voilà. Ouais, machin par machin. Truc par truc, machin par machin, bidule par bidule. Oui, voilà. C'est parce comme que ça va comme ça. Il y a plein d'enchanted scroll off, machin. Si là, arrivé, il y a plein de trucs qui se stackent pas trop, donc pareil, il va falloir qu'on fasse un peu de. On va prendre au cas par cas, je pense, et faire du propre là-dedans. Si faudra, ouais. T'as aussi t'as pété. Bah bravo. Alors, franchement, je te félicite. Hein. Donc, on sait peut-être. Donc, 5 par 5. 5 par 5 par 5, et du coup. Ça rentre dans le truc. Hein. Donc ça rentre dedans, parfait. Et on camoufle l'avant. Et on foule une grande salle Applied derrière avec les coprocessing, le ME Drive, tout ça. Maintenant, ce qu'on peut faire. C'est, j'en fais régulièrement. C'est. On retire tout les RF Tools. On le met sur le côté, le temps d'installer l'Applied. Oui, tout à fait. Je comprends, oh là là là, elle est tout cassée. Oh là là là, tout cassé. Eddie, t'as plus accès au storage. Non, c'est fini. Bah, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. On va pouvoir y aller. Elle vient de retirer le contrôleur. Ouais, non, j'ai bien compris. De toute façon, je vous surveille. On est surveillé. Ouais. J'aimerais bien retrouver des violettes.
Oups. Ah, casse le mur en plus. Voilà. Alors. Bande de patates. Non, pourquoi les patates? J'en ai encore deux. Bon, après, c'est bon les patates, hein, mais quand même. Oui, c'est bon. Ouais, bon. Oh, ouais, si, c'est bon les patates. Ah, j'ai une sans patate. Sans patate. Ah, il y a des fuites là derrière. J'ai une fuite. Bah, mets une couche. Non seulement j'ai des gaz, mais en plus j'ai des fuites. Ah, fouette. Ah, ouais. Ah, oups. Ah, oups. Comment ça se fait que j'en trouve pas? Mais ça se trouve, on avait des pousses. Vous avez de quoi? De l'arbre avec les feuilles violettes, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, on peut, moi, je peux regarder. Non, je peux pas regarder vite fait. Ouais, oups. Il n'y a plus de storage. Enfin, si, on a remis le truc, mais en vrai. Ah, mais attends, mais moi, je crois que j'en ai des pousses. Oui, j'en ai des pousses. Elle en a des pousses. Vraiment. Alors. C'est bon. T'arrêtes, ouais. Alors, on va ici. Paf. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tout ça. Tout ça rempli des contrôleurs. Bon, alors. C'est oh, pardon. Ils ont tout cassé. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est ici. Ah non, ah, j'étais là. Attention, elle le regarde. Elle est surveillée. Oh, oh là là, moi, mais mal m'entend aussi. Il ne veut pas me regarder. Et coucou mon carcosion. Ça a 5 minutes quand on faisait les andouilles, mais on les fait tout le temps les andouilles, donc. Coucou carcosion. Les andouilles, ah ouais, vraiment. On les fait tout les le temps. Les andouilles, jamais nous. Hein? Je vois pas de quoi elle parle. Je sais pas. Ah oui, il s'est énervé là, il en a fait quelques-uns. Bah ça, c'est la combosse de quête. Ouais, c'est ça, on a tout su, alors forcément. Oui, c'est. Ah mais attends, j'ai tout récupéré moi ou pas? Ah non, attends, parce que je crois que j'ai encore moi. Attends. Hop. Ah non, c'est les Advanced Describer. Où je garde sur moi. Je vous donnerai rien du tout. Et nous manque Arcon, mais. Je qui fait faire. Arcon, il mange, il est en lurk. Il mange, moi. Il n'y a pas le temps de manger. Ça sert à rien de manger. Calypso, il mange des hamburgers maison. Ah, j'ai encore récupéré de la netherite scrap. Ah, oh. Tu veux pour de quoi? Ah oui, moi aussi. Ah, j'ai des fuites. Ah, il y a encore des fuites. Ah. Ok, et recoucou. Elle est où le petit par éponge? On l'a pas. Ah, j'ai des wireless booster. Oui, mais c'est pas grave, on a les infinites, nous. Ah, puis fuite. Ah, yeah. J'ai mis ma couche. Bon alors. Recoucou, Mécan. Oui, voilà. Il s'en va, puis il revient. Ça s'en va. Non, pardon. Après, les meux contrôleurs, on pourrait faire des autres, hein, c'est que ça. Quoi? Juste l'engineering processor, c'est tout. Ah, bah, il nous faut peut-être les inscribeurs quand même. Ouais. Attends, qui m'a piqué? Quoi? Ah, il m'a piqué mon bloc. C'est moi, mais je sais pas si je te le donne du coup. Bah si, pour avoir ton stockage. J'ai plein de trucs sur moi. Quel bordel. Mettre ça là, hop. Mais quel bordel. Mais je crois qu'il fait nuit, non? Parce que le panneau solaire m'a aspu. Bon, je l'ai planté cet arbre magnifique et incroyable. Voilà. Hop. Un petit peu d'énergie, c'est tout. Oui, c'est beau. C'est RGB, c'est puissant. C'est joli. C'est RGB, c'est puissant. Hop. Voilà, pousse. Pousse petit arbre. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut les engineering circuits. Mm-hmm. Il nous en faudrait combien encore de blocs? 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Donc, il nous en faut 5. Donc 5. Bonsoir, c'est soirée disco. On fera un seul entier de ça. Ah bah non, on peut pas. Merde. C'est dommage. Ah. Non, au-delà d'un certain nombre, en fait, il bloque et t'as plus l'effet RGB comme ça. Oh. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste.
Advanced Screamer, il est là. Paf. Ça, ça et ça. La première chose à faire, des speed cartes. Il y a nouveau accès au storage. T'as réparé ? Non, je pas. Il n'y a que toi. Alors, non, avec ta télécommande, tu fais shift-clic droit dans l'air. Tu prends la carte qui est dedans. Shift, tu veux dire sneak ? Sneak, oui. D'accord. Ouais. Tu prends la carte qui est dedans. Ouais. Avec la carte, tu la mets dans ta barre d'action et tu fais un sneak click sur le bloc ici, avec les, celui-là, qui est devant moi en bas. L'espèce de coffret avec les oreilles. Là. Et tu remets la carte dans la télécommande. Piquette, hop. Normalement, ça fonctionne. Ouais. Youpi. Faut juste relinker. Je vais pouvoir rebalancer de la merde dedans. Ah, voyons. Quoi ? Par contre, t'es vraiment obligé d'attendre 20 minutes les flux sud ? Ouais. Un peu long. Ben, c'est pour ça qu'il faut. Ah non, c'est 2 minutes. Il faut les Crystal Gros Accélérateurs. Ok. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut normalement. Parce que ça pique un peu quand même, 20 minutes. Mais du cristal, il y en a encore de toute façon, du serpent. Ah, il y en a plus. Bah, non, mais c'est les flux qu'il me faut. C'est les flux. Ah, les flux. Bah, c'est des flux. Les flux. Tu veux les flux. Les flux cristal, les violets. Non, ça, c'est de la void stone. Les flux. Je flux, tu flux, les flux. Les fluxions. Ah, bah, il y a un poulet de flux cristal. Ah, mais. Ouais. Et il y a encore deux cristaux dans le. Il y en a deux, ouais. Dans le story. Ah, mais t'as tout grindé. Il y a 160 poudres. Non, ça c'est des trucs qu'on a trouvé, enfin gagné, non Flick Dust, il y en a 160. On va pas dire n'importe quoi. Attention, toi. Il a tout grindé. C'est des trucs qu'on a gagné. Bon, on fait un cristal gros accélérateur, ok. Ah. Mais il me faut du Flick aussi, bordel. Ah oui. C'est long. Ah oui. Il n'y en a plus aucun flux, tu es sérieux? Deux, il en reste deux. J'en ai vu deux dans le storage. Tu peux faire quelque chose avec deux? Non, parce qu'il en faut quatre. Et avec la poudre, tu peux pas la reconstituer? Il faut faire l'enrichissement chamber de mécanisme. Tu te rappelais qu'il faut faire le steel casing ou pas? Le steel casing, bah oui, c'est. Ah oui, c'est quoi le sort? Vas-y, contre le circuit. Vas-y. Regardez bien. Regardez. Oh, c'est facile, hein, hein, c'est facile. Un draconique intégré. Ça. Je fais une crise cardiaque, je reviens. Voilà. Ah. Donc, c'est pas pour tout de suite. On est d'accord. Crise cardiaque et je reviens. On est d'accord. On n'est pas pour tout de suite. Il y a des modeurs et il faudrait les calmer quand même. Oui, il va falloir leur donner des calmants. Il faut leur donner des calmants, hein, parce que ça va pas bien. Une petite prélude à email quand même. Sinon, dis, il y a plus simple. Direction la Lune et on trouve des météorites. On va sur la Lune, je suis jamais allé sur la Lune. Allez. Oui, mais il faut. Ouais, mais il faut Il faut les combinaisons. Hein. Ah merde. Et non, il y a un enchantement. Il y a un enchantement Space Briefing. Ah. Et on en a. Tu le mets sur le casque. Sur le casque. Space Briefing. Il y en a. Par contre, il faut juste des oxygène cannes dans l'inventaire. Ah, c'est tout. C'est tout. Mais c'est quoi oxygène quoi? Space briefing. Respirer dans l'espace. Oui, mais c'est quoi qu'il faut dans l'inventaire oxygène? Des oxygène cannes. Très bien. Tellement l'habitude de l'enchantement machine. Ah, les oxygène tanks, quoi. Ah oui, mais j'ai plus de. Non, cannes. Cannes? Oui, cannes. C'est AN, cannes. Canne. Oxygène canne, c'est marqué dessus. Gear, je vois les gears, je vois les. Oxygène canne, voilà, de Beyond Earth, Giselle Adon. Oh, Giselle. Et il y en a un dans l'inventaire, déjà. Ah. Hein? Il faut y remplir. Il y en a deux, même trois dans l'inventaire. Il faut le remplir. Il faut juste les remplir, donc pour ça, il faut la machine de Beyond Earth. Oh.
qui s'appelle on peut pas refaire une suite tout simplement. Bah vas-y, regarde les crafts. Bah la combinaison. La vas-y, regarde les crafts. C'est une XP, j'ai de l'XP, moi. Voilà. Vas-y, regarde les crafts. Bah oui, j'en ai fait une sur ma partie solo, hein, puisque j'ai déjà été sur la lune aussi. Ouais, oh, vas-y, le reste, écoute. Oh là, jamais c'était content. C'était un qu'il me fallait. Non, je crois que c'était juste un. Donc, attends, hop là. Iron Plate, il n'y en a pas, ça, je suppose. Ah, si. C'est de la vitre. Ah, c'est pas ça. Ma branche. Elle est où, ma branche? Elle est là, ma branche. Et recalypso. Alors, il me faut un flux point. On voit toujours que c'est Peter, c'est formidable. Alors, comment on remplit le truc? Là, j'ai fait un oxygène loader ici. Okay. Coffre. T'es dehors? Non, dans la... en bas. Au moins ça. Non, je souris pas. Comme ça. Tu mets ta canette dedans? Ouais, tu mets dedans. Dans le petit plus à la droite. Ouais, parfait. Bon, c'est pas un faute de guerre, donc faudra attendre un petit peu, mais à la limite, je regarde vite fait s'il est cher ou pas à faire. Ah! Mais Mais il n'y a plus de style dans. Ah ben attends. Et t'en fais gaffe ta canette après. Il faut juste que tu la laisses dans ton inventaire, d'accord. C'est tout. Non, c'est marrant. Et du coup, l'enchantement sur ton casque qui va te permettre de pouvoir respirer avec. D'accord. C'est comme ça. Ah zut, il faut que j'aille jusqu'à la machine, jusqu'à l'usine. Oh. Voilà, non, c'est pas ça, il me faut une autre pipe ici, et une autre pipe, voilà. Dis donc, une à la fois. Hein. C'est quoi cette tête que t'as? Mon casque. Ouais. C'est ma space suite, mon armure elle est là. Voilà. Pardon. Ça c'est qu'il y a mal, et ça c'est avec ma... Voilà. Elle va dans la FAF. Ok. Oh là là. Ouais. Bah ça va être long de remplir ça jusqu'à 100 000. Hein. Bah lui, il s'en est pris une pour se la remplir. De quoi? De canettes. T'as soif? Je fais la combinaison. Ah bon? Pas l'autre? Tu fais une combinaison, quoi. Ah, bravo! On va remplir une pour Calypso. Est-ce qu'elle va venir sur la lune avec nous? Ah oui! Oui, je veux bien venir sur la lune avec vous. Bien sûr que tu veux venir sur la lune avec nous. Il faut que tu viennes enchanter ton casque. T'es où? Mais c'est fini avec les crafts là! Oh! Je suis dans la cuisine. Mais que... J'arrive. Mais! Monte. Il me pique les crafts! Je peux pas crafter à cause de lui! On monte d'un étage. Je suis plus dedans là! J'ai un foutre à balou. Quoi? Attends. T'es sûr, hein? T'es sûr de ce que tu vas faire? Nya. Alors, espèce machin. Eh, pourquoi qu'il veut pas celui-là? Ah! Mais il y a fusil! Espèce machin. Aïe, je suis trop fort! Qu'est-ce qui manque dans le truc qu'il veut pas? Ah, Calypso. Edgy, regarde comme je suis fort! Attends. C'est tout? Tiens, Calypso. Je me sens seul au moins un. Tu mettras cet enchantement sur ton casque. Yeah. Hop, trop fort! C'est trop fort! Oui, enfin, on a porté des fusées, alors maintenant, porter une voiture, si tu veux. Il est trop fort! Regarde! Mais. On en est où, ma canette? Ouais, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, tu peux. C'est quoi qui vous fait péter comme ça? Là.
Regarde ce que j'ai sur la tête, Matt. Un coussin péteur. Sur la tête, je sais, normalement c'est sous les fesses. Nous, on pète de la tête. On est pété de la tête. Bah quoi, c'est vrai? Bah c'est vrai. Oh. Voilà, pardon. C'était moi ça. Un petit peu de fort, parce que je t'ai entendu. Oui. Oh là, oh là, oh là. Tout doux, tout doux. Après, c'est une voiture toute seule. Tu peux pas monter à deux. La presse de... Oh mon dieu, bon là. Monter. Ouais. C'est bien sur la ligne, ça. Les roues carrées. Ça roule. Ça roule, carré. Pas très efficient, si, effectivement, mais bon. Les petites fleurs qui tournent, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Quand j'arrive à la récupérer. Ah mince. D'ailleurs, un coin, on est sensible. On voit pas cette box. Oh, t'as tout cassé. J'ai cassé un truc qu'il fallait pas, je crois. Ah, le sol, oui. Ça. Hop. Je le répare, hein, mais ça suffit. Mais je ne peux plus récupérer mon véhicule. Ou ma voiture. Ah non, on peut pas. Et clic droit, t'as essayé. Clic droit, tu montes dedans, en fait. Non. Tu vas dans le dans l'inventaire du rover. Ah, quand tu sneak, ouais. Je vais récupérer les trucs là, moi, je peux pas. En plus, t'es tout cassé. Oh là. C'est quoi déjà pour voir les hitbox, je me rappelle plus. F3B. F3B, je crois, oui, un truc ainsi. Oui, c'est ça. Oh bah, toute petite la hitbox. Ouais, elle est là. Hein, mais... Ouais, j'ai essayé de taper dedans, mais j'ai peur de casser le sol encore une fois. Mais l'épée, ça veut pas. Tout cassé. Gisèle Adam. Oui, c'est vrai. Oui, la presse de Create, tu l'as remontée où? Parce que je la trouve pas. Laquelle, la presse de Create? Bah, pour faire les plates. Dans l'usine? Bah, je vois pas la presse. J'ai une bigleu, là. Je la vois pas. Mais il y en a moins deux ou trois. Non. Oui, elle était là. Mais il manque les morceaux, maintenant. Ouais. Je sais pas. Bah non. Mais je la vois pas. Le truc pour aplatir les lingots. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais oh là là, mais viens me montrer où elle est, parce que moi je la trouve pas. Attends, où elle est. Là, t'en as deux ici, là. Hein? T'en as deux là, des Mechanical Press. Ouais, mais comment je mets sur le tapis, moi? Ah bah tu jettes. Ah, t'en as deux ici, il y en a une autre là, t'en veux combien? Hein? Ouais, mais c'est long, là. Eh bah t'augmentes. Oh. C'est pas si rapide, tiens. Là, c'est plus rapide ou pas comme ça? Et lâche le steak. C'est pas encore assez rapide. Voilà. Aïe, 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 secours. Attends, ah, ça va, il a remis le coffre à la fin. C'est bon, ça y est, contente? Pas facile, hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. C'est cool, la voiture. Voilà. Hop là. Bah, il rassure alors. C'était dans le portail. Bah non, mais c'est complètement couillon. Il y a forcément moyen de la récupérer. Non. Ah, voilà. On l'a trouvé. Avec le hammer de. Ok, il y a un hammer. Oh, même sur la petite icône, regardez comme je suis fort. Oh là là. Pardon. Tu sors du cadre. Mais... Hein? Tu sors du cadre. Je sais, on me le dit souvent. Par contre, tu répareras le sol, s'il te plaît. C'est fait. C'est bien beau de faire des trous, ouais. Mais c'est fait. D'accord. Attention, hein. Ou sinon, je des rovers, j'en mets partout. Ouais. Ça va, Calypso? Ah, on a perdu Calypso. Ah oui, mais il faut le chargeur en oxygène pour... Oui, il est là, ici. Ici, Balou, là, tu peux ici, Balou, tu peux y arriver. Mais c'est pas ton tour, tu attends ton tour. Miou. Non, en bas, c'est moi, en haut, c'est Calypso. Eh ouais, eh ouais. Alors. Miou. Fallait pas dire, faire le malin, je me fais. C'est ridicule, en plus. Oxygène canne.
je suis même pas à la moitié, quoi. C'est long en plus. C'est vraiment long. Je sais pas par contre si ça rentre dans un tank ou pas de mécanisme. Oxygène. Ben. Apparemment, oui. Apparemment, non. Oui, non, peut-être. Attends, j'enlève ça vite fait, je vais juste regarder la tête que ça. Non, c'est pas le même oxygène, j'ai l'impression, en fait. Ah, d'accord. C'est plusieurs oxygènes. Faudra tester. Faudra tester. On essaiera de mettre une disquette de gaz, une disquette de liquide, voir un peu si ça rentre ou pas. C'est pas je le peux me servir du petit bidule. Petit bidule, hein. Petit oui, c'est bidule. Normal. Et il faut que tu... Alors, faut que tu viennes ici. Oui. Un stick clic droit avec la tablette entière, Balou, ou il faut ressortir le module? Je me rappelle plus. Il faut ressortir le module. Alors, avec tu regardes dans l'air. Ça marche pas, j'ai essayé. Oui. Regarde dans l'air, un petit sneak clic droit. Sneak clic droit. Voilà. Donc, tu vas avoir une interface et dedans, tu as un petit module, le screen module, le storage control screen module. Tu vois ou pas? Oui. Tu le prends, tu le sors et tu le prends en main. Oui. Prends-le en main. Voilà. Tu prends moi. Tu vises le storage scanner là qui est en dessous, devant toi. C'est celui un sneak. Qui est fermé. Là, celui le storage scanner. De... En commençant oui, par la gauche, le deuxième en bas. Celui qui est devant toi en bas, là, celui en bas. Ouais. Voilà. Et là, tu fais un sneak clic droit dessus. Sneak clic droit. Sneak clic droit. Ça y est, je l'ai fait. Ouais, coucou. Est-ce qu'il t'a bien dit que le il est vraiment set au bloc storage scanner? Bisous. T'as un petit texte qui a dû s'afficher, non? Non, alors vas-y, accroupis-toi. Oui. Clique droit dessus. Et là, normalement, oui. T'as dû avoir la phrase qui apparaît. Oui, c'est ça, j'ai la phrase alors, qui est apparue. Donc, ta tablette, tu la prends en main. Oui. Tu vises le sol ou en l'air. Tu fais juste un clic droit dessus. Oui. Et tu remets le module de sang. D'accord. Ok. Là, tu fais échappe, reclique droit et c'est bon. Et c'est bon, ouais. Ok. D'accord. Ah, l'autre système est plus voilà. Simple. Super. Promis. Ça sera plus simple au système. Ok. Est-ce que vous pourriez me redire comment je coupe le narrateur parce qu'il s'est remis en route et je ne sais pas quel tout, je le remets en route. Contrôle B, par défaut. Après, tu peux laisser, arrête de narrater. Alors, c'était toi m'expliquer et écouter le narrateur qui parle anglais pour me dire tout ce que tu dis. Bon. Du mal, merci en tout cas d'avoir dit que j'étais pas en trop, c'est gentil. En tout cas, il y en a un trop. On va rigoler, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir partir sur la Lune avec vous? Balou, j'ai en train de te faire une combinaison. Ah, bah d'accord. Non, j'ai fait un truc aussi. Non, comment ça, non? Ça. J'ai une combinaison, le truc comme vous avez fait. Eh ben la combinaison, c'est pour Calypso. Là, ça t'apprendra. Ah, oui, mais il faut la charger, la combinaison aussi. Oui, mais attends. Hop, attends. Ah, mais dis-moi comment la faire, Balou, t'es pas obligé de l'avoir fait. Non, non, la combinaison, elle est un peu... Ah, mais il y en a déjà plus. Des Iron Plates, je viens d'en mettre je ne sais combien dans le truc. Où est-ce qu'ils sont? Qui c'est qu'a tout bouffé? Qui c'est qu'a tout bouffé? Bah, j'ai déjà rien. C'est pas moi, j'en ai pas utilisé. Oh. Alors, où est-ce qu'elle est la table? Non, mais il a qu'une facilement, moi je trouve. C'est ça la table d'enchant, ouais. Il faut monter deux étages. Deux ou trois étages. Ah oui, c'est ça, oui. Sinon, ouais, effectivement, tu peux mettre un enchantement sur un casque si tu veux qu'elle bah, je vais donner ouais. Le livre. Oui, bah, c'est ce que je vais faire. Voilà. Attends, je vais faire ça déjà. T'as juste besoin d'un level. Deux étages. Attends, j'ai loupé un étage. Enchantement. Là, voilà. J'ai deux levels. Ça devrait le faire. C'est bon. Tu mets sur ton casque. Oui, c'est long. Pas beau comme ça. Ouais, magnifique. Attends, voilà que je sais plus me servir d'une table d'enchantement. Non, c'est pas sur la table d'enchant, Calypso. Non, c'est sur l'enclume. Sur l'enclume. Sur l'enclume. Oui. Peu enchanté d'ailleurs. Oui. Faut que je revienne en vanille un petit peu de temps en temps, hein, parce que ouloulouloulou, j'oublie comment faire, hein. Ouais. Ça devient grave là. C'est pas prêt de s'arranger, je te rassure. C'est pas avec la V4 que ça ferait mieux. Voilà, ça y est, j'ai mon enchantement. C'est fait. L'employé découvre que le chargement de Rana, c'est long. Pas tant que ça. Moins long que le 5. Ouh, ah bah oui. Beaucoup moins long. Tu m'as combiné dans Pascal.
T'as une sacrée tenue, oui, effectivement. Par contre, je vais juste retirer ça, ça fera un peu moins bizarre. Voilà, c'est mieux. Avec ton écharpe verte, je la trouve trop marrante. Je vais donner quelque chose. Oui. Je vais le mettre dans ta ceinture. On vous fait un clic droit dessus. Et ça va donner des cœurs en plus. Ouais, d'accord. Les cœurs qui dépassent. Attends. Mais un oxygène canne, il y en a encore un dans le stock. Oui, il en reste. Ah bah attends, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oh là là, je vais t'en donner un autre. Hein. Alors regarde. T'es prêt? Hop là! Un deuxième cœur pour Calypso. Eh bah dis donc, j'en ai des cœurs. Merci beaucoup. Bon. Arcon. Heureux. Heureux Arcon. Salut Arcon. Viens manger. Ah, si tu veux avoir un point de feu. Un point de feu. Oh. Ah ouais. C'est-à-dire tu tapes, tu enflammes. Donc pareil, je fais pareil. Le clic droit. Pareil aussi. Ouais, ouais. Hop là. Alors regarde, ton skin, t'as un point en feu. Ah attends, faut que je me... Ah oui. Oh là. Oh, ça fait peur. Oh non. Tu veux un truc qui fait peur? Vas-y, essaie sur Delphinus pour voir. Non, ah, pas moi. Un truc, attends, je vais te montrer quelque chose qui fait vraiment peur. Il vous fouillait là-bas, je crois que je l'ai mis. Oui, c'est ça. Hop. C'est des bêtises. Je pète. Oh. Tu montes ou tu descends? Là. Tu vois? Attention. Papa. Oh là. Oui, alors là, c'est. Là, ça fait peur, tu vois. Oui, effectivement. T'as quoi dans la main? Oh la vache. C'est une arme du mode cataclysme. Et en plus, je fais ça, hop, ça tire, t'as vu? Eh, tiens, Calypso, viens, tu viens. Non, tu viens, Calypso. Non, 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 tu viens, je t'ai dit que tu viens. Voilà, tu viens avec moi. Je t'emmène avec moi. C'est rigolo, hein? Ça fait peur, ouais. Mais c'est rigolo. Mais ça fait peur. Oh là, oh pardon. Alors, oh là, je me contiens plus. Du coup, j'ai fait un truc. T'en as fait quoi du rover? Dans ta poche? Il est dans mon backpack. Cherche pas. J'ai un rover dans mon backpack. Oui, oui, tout à fait. Bah, et alors? Il y a un problème? Et alors? C'est pas comme si non plus ça pouvait se mettre dans la main. Ah, mais j'avais deux mains. Oula. C'est pas ce mot. C'est moi qui ai remis l'auto-feeding sur mon sac à dos. Ça va t'énerver, ça va t'énerver. M'en fous, je l'ai aussi. Tu l'as aussi? Ah bah voilà. Comme quoi. Ah, c'est pratique, moi, je trouve. Voilà. Je me suis refait mon auto-feeding. Moi, j'ai rien fait du tout. J'en ai trouvé. J'ai pris. Oui, mais moi, je l'avais pas trouvé, alors je l'ai fait. Par contre, faut que j'aille prendre plus. Tu n'oublieras pas ta canette. Hein. Que... Ta canette d'oxygène. Elle est au-dessus. Ah. Elle est... Je vais les à remplir, là. J'ai pas encore peine. D'accord. Je remonte chercher un petit peu de nourriture parce que, ouais, bah aussi, pour le coup, comme je prends un de chaque, ça va assez vite à dégager du coup. C'est nul. Ah, je veux pas. Alors, on va manger. Alors. Oh, tiens pas, ça va. Ah oui. Voilà, je suis tout enchanté. Worker exploitation. Pour le civil de blend, but to ship text image. Ok. Très rigolo ce truc là. Et hop. C'est pas mal. Oh, pardon. Oh. Pardon, je suis là. Hein. Oh, ça va. C'était un petit. Celui-là. Je fous l'autre avant. Oh, ça va. Qu'est-ce que j'ai foutu? Hop. Mais non. Hop. Ah oui. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Ben, j'avais fait un autre oxygène loader, mais il faut faire un autre truc avant aussi, le compresseur ou je sais plus quoi.
C'est avec ça que j'avais fait sur la solo pour quitter. Tu quittais qui? Pour quitter la Twilight Forest. Je vais y arriver. Fatigué, moi. Fatigué? Ouais, fatigué, moi. Ah, c'est presque fini. Oui, c'est les potes à l'époque, je me demandais ce que je voyais là-bas. C'est long quand même ce truc là. Ouais, allez, c'est bientôt fini, c'est parlé. Ça, si on arrive à mettre un bon petit tank. Suite, oxygène, canne, un chemical tank. Ah, c'est chemical, ok. Osmium, il est où? Voilà, moi c'est bon. Calypso, c'est presque fini ta canette. C'est gentil, merci. Yep. Bah, moi je vais attendre maintenant. Bah oui, hein. Ouais, c'est fini. C'est bon, elle est prête. Ah, tu le vends pas? C'est la mienne, moi j'en... c'est pas la mienne, c'est celle de Calypso, ah. Celle-là. Moi la mienne, je l'ai. Un 48 000. Quel long. Bon, après, avec 23 000, de toute façon, je pense qu'on aura le temps. Ah. Non, moi, c'est le Chemical Tank. Ouais, c'est ça. Ah, je vais te donner un petit coup de boost. Chut. Hop là! Non. Non. Chut, hop là. Il fait. Il est rempli un peu. Ah. On y va comment sur la lune? J'ai un portail. Ah oui. T'as toujours la Weststone? Ah non, je sais pas si t'en as mine. Si, si, il y en a une aussi. Ouais, bah voilà. J'ai un portail sinon. Avec les Weststone, tu fais pas comme moi sur la solo. Tu te gourdes de destination, tu te retrouves sur la lune. Sans oxygène. T'es sympa ça. Oups. Ah merde. Bah tu recliques vite sur la Weststone. Tu m'étonnes. Bah oui, parce que tu dois vite suffoquer. On va faire une piste de lancement aussi pour les fusées. Là, on va aller sur d'autres planètes. Hein. C'était rigolo de prendre la fusée. Il faut qu'on fasse une station spatiale. Oui. Ouais. On va faire du Space Engineers dans Minecraft. Dans Minecraft. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a des machines que j'avais pas vues. C'est quoi? Ah, ça c'est pour manipuler un petit peu l'expérience. Donc tu avais normalement l'expidrain qui est ici, pardon, qui se transforme en liquide. Hop, et donc. Et du coup là tu peux le retransférer dans l'expidifier pour en faire des bonbons. Tu manges. Des bonbons? Ouais, c'est des bonbons d'XP. Je veux des bonbons. Tu veux un bonbon d'XP? Oui. S'il vous plaît, je peux le faire. On a plus d'expidrain. Paf, 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 XP drain, paf, ici,
Paf. Voilà. Tiens, hop. Petite pipe. Branch. Oh, bah, pardon. Et rien, ça se fait tout seul. Là, là. Un Jelly Baby. Oh, un bonbon. Mmh. 4 XP pour vous. Trop bien. Ah, là, d'autres, tu veux. C'est tout le bonbon vert. Voilà. Millibuckets, ça devrait être bon, non, au niveau oxygène. Je l'ai rempli à fond, les mêmes. Moi, je vais pouvoir péter dans mon combinaison. Ah là là. Oh, bah, tu fais ce que tu veux dans ta combinaison. Ah, va être tout chaud dedans. Ça va être sympa. Ça va être tout chaud. Ça va l'ouvrir. Ça va fumer vert. Je sais pas si ça fait de vert, mais ça va fumer. Je suis là. Ah oui. Je mets mon sac à dos. Hop. C'est voilà. Delphinus qui a ta canette. Ah. Tu veux ta canette ? Ah non, c'était pour toi. Je croyais. Ah, si. Non, mais là, non, moi aussi. Si, si, t'avais bon. Voilà, bonjour, je suis là. Oh, bah t'as encore changé de tenue. Décidément, je change de tenue tout le temps. Bah, c'est ma tenue spatiale. D'accord. J'ai rien su, moi. Attends. Comment qu'il se la pète avec cette tenue dans mon sac à dos. Vie, ma tenue spatiale. Ah oui, voilà. Allez, dans mon sac à dos. Bah, attends, faut que je coupe mon magnète parce que sinon, ça atterrit pas dans mon... Et je le mets où alors du coup je la mets où? Juste dans l'inventaire. Faut juste que tu l'aies dans l'inventaire, c'est tout. Juste dans mon inventaire, d'accord. Ok. Très bien. Voilà. Ah oui, il faut que j'aille mettre l'enchantement, moi, par contre. Voilà. Ben oui. Il faut quelque chose d'autre. T'avais spécial. Pas fait une combinaison? Si, mais comme ça, j'ai les deux. C'est quoi? Je sais pas si tu peux l'enchanter comme ça, la combinaison. Non. C'est quoi, tu disais, Calypso? Je sais plus. Il faut que quelque je chose fais, d'autre que la canette? Non, ça suffit? Non, c'est tout bon, ça suffit. C'est tout bon, d'accord, ok. Attends, juste que qu'on nous note ce qui arrive. Bah oui. C'est encore bah, comment le nom de l'enchantement que t'as dit là? Space Briefing. Space Briefing. Mon bel accent anglais. Ouais, je vais pas essayer, moi. Oui. Ah, si, voilà. Ah, ben il en reste un. Tu as vu, Calypso, que j'avais mis des lanternes dans notre jardin? Ah non, j'ai pas vu encore. Non, non, non. J'ai trouvé des petites lanternes. Tout ça. Oh, joli! Ah oui, c'est très joli. Ah, c'est mieux. Oui, 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 c'est très très bien. Oui. Oh, c'est joli comme tout. Ça va, c'est ouvert, on peut péter. Un peu, j'ai le droit. Ah, madame, elle a dit que j'ai le droit. Alors, est-ce qu'on a du cuivre oxydé dedans? Est-ce qu'il s'en va? Je sais pas. Où est-ce qu'il part? Je sais pas. Fais du cuivre oxydé. Ok. Ouais, c'est pour dans ce cas, c'est très très chouette. Et on s'est pas mal débrouillé quand même. Non, ça, oui, c'est ça fait fini, sympa. C'est pas fini. Voilà. C'est un jardin luxuriant. Oui. Bon, bah, par contre, oui, au niveau des fleurs, il va falloir que j'aille faire une XP parce que là, il n'y a ah pas. Ah bon, on dirait faire un tour, ça, hein, c'est pas un souci. Ouais, ouais. Ah, sur la Lune, il n'y en a pas, par contre. Non, sur la Lune, il n'y en a pas. Ah, pas de fleurs, non. Non, je me doute, oui. Il y a des villageois, si tu veux. Ouais.
Non, des lapins. C'est vrai que c'est des lapins. Ah oui, c'est des lapins. Ouais, c'est des lapins. Ah, Arcon. C'est les lapins. Des lapins. C'est de là qu'ils viennent, les lapins crétins. Je sais pas s'ils sont crétins, mais c'est des lapins. En tout cas. Je trouve drôle, les lapins crétins. Bon, les lapins crétins, c'est drôle. Applied. D'accord. La fameuse porte multicolore, là. Ok. Bon, alors, ça se remplit ? Vous êtes prêts ? 80 000. Presque. C'est toujours le même qu'on attend. Bon, on n'est pas, on est pas toujours. Pressé. On n'est pas pressé, quand même. Bon, 80 000, un petit peu. Ah, yep. Pourquoi ? Ah, mais parce que... normalement... Oh, il y a plein de trucs là. ML n'avait pas rajouté des slots dans le Curious ? Ah oui, ça, c'est chipette. Il y en a plein, des slots. Ah oui, ça, c'est... voilà. Dans Curious, comme ça, je l'ai... Hop là. Ok. Je suis prêt. Ok. Pas où on passe alors du coup. Je suis pas prêt. Pas tard. Hein? Eh, qui est? Ah, change les blocs. Oh. Hein? Le choix. C'est pas moi qu'on attend là. Ah, allez, on va sur, sur le toit. Alors la lune. Moon. Alors moi je suis jamais allé sur la lune. Hein. Je vais quand même la trouver la lune si je clique droit sur. Ouais, le... ouais, ouais. Oui. J'en parle que je prends des dégâts. Ah merde. Ah ça c'est pas normal. Alors, j'ai N Explore. Moon. The Under Garden. Moon. J'ai bien Space Briefing. J'ai bien ma canette d'oxygène dans mon inventaire. Je prends des dégâts. Ouais, moi aussi je prends des dégâts. Attendez, attendez, est-ce qu'on a. Tu vas prendre des dégâts, Calypso, reviens. Moi déjà, j'ai pas pris ma combinaison, donc c'est problématique. Ah mince. Hop là. Oula. Hop là. Oula, je suis un peu agité là. Un petit peu... Oula, je vais mourir. Oula, les... Mais reviens. Non, laissez-moi passer. Je rentre, je sais pas où je vais. N explose, ça doit pas être ça. Ah, ouais, mais des mobs aussi. C'est où est-ce que je vais? N'importe où. La maison. N'importe où sauf la lune. Ah, tu peux, tu choisiras après. Mais... C'est bon. Ah, et Jiki prend des dégâts là. Factory, qu'est-ce que j'ai? On dirait que t'es empoisonné. Je vais pas manger ça. Okay. Bah oui, mais par quoi? Non, il y avait un mob. Il y avait un mob. Bah, je prends les dégâts maintenant, quoi. C'est... Oh là là, Under Garden. Mais non, mais où est-ce que je vais? Attends, j'arrive, Calypso. J'arrive. Calypso, tu choisis une destination qui commence. Bouge pas. C'est l'Overworld, ça. Voilà, c'est moi. Là, je suis avec toi, ça va? Oui. On respire. Allez, y a un... Attention, je t'ouvre le portail. Ouais. C'est parti. Allez, hop, dedans. Je sais pas pourquoi j'ai pris des dégâts à retardement. Bon, alors, pouvez-vous me dire comment ça s'appelle ici? Comment vous l'avez appelé? Base. C'est O-base. Faut que je te fasse un tempad. O-base. D'accord. Ok. Tiens. Ah, bon, il y a plus d'obsidienne aussi, vas-y. Mais comment ça se fait qu'on prend les dégâts malgré j'ai le... pas de cousin. Il y avait un mob. Allô. Il est mort? Mais c'est pas il est mouru. T'as fait dessus quand même. Retourne alors. Il a mouru. Je prends des dégâts, il n'y a pas de mob. Je suis désolé. Ah bon? Ah. Ouais, c'est pas normal par contre. Bah viens voir. Non, j'arrive. Non, là, elle a pas de mob là. J'avais pas de mob, mais je prenais des dégâts. Donc... Hop là. Tiens, hop là, Calypso, tiens. Et oui, je suis là. Tiens, cadeau. Oui, merci. Alors, tu le prends en main. Oui. Tu fais, vas-y, là, par exemple, tu es au milieu de la base, clique droit. Oui. Tu fais Run Programme. Oui. En bas, c'est marqué New Location. D'accord ? Oui. Clique dessus. Donc là, tu as les coordonnées. Là, tu, en dessous, tu mets un nom. Tu tapes Base, par exemple. Oui. Et tu fais Add Location. D'accord. Voilà. Add Location. Ok. Ensuite, là, tu refais clic droit. Run Programme. Base. C'est-à-dire, je fais Run Programme ? Ouais. Run Programme. Oui. Base. Oui. Base. Téléporte. Oui. Téléporte. Voilà, okay. Et là tu peux t'inverser. D'accord. Mais c'est normal, tu reviens en arrière, hein. C'est normal. Bah oui. Ah oui. Si derrière. Ouais, évidemment. Ah, et en plus, si tu réouvres, tu fais option, tu peux changer la couleur, mettre en violet ou vert si tu veux. D'accord, bon, je ferai ça plus tard. Pour l'instant, voilà. On va s'occuper de la lune. D'accord, ok. Ouais, allez. Bah, la lune, merci elle merci mal, beaucoup, hein. Daphine. Alors, attendez, je vais essayer avec. Faut que j'essaie moi. J'y vais, je vais les voir. Hop, ouais, vas-y, fais voir. Ouais, c'est safe là. Bah, tu vas voir bon, si attends. Je viens.
Ben, il faut peut-être la combinaison, hein. Voilà. Normalement, toi, avec le Space Briefing, non, t'es censé pouvoir, hein. Hop, prends les dégâts. Et l'oxygène canne, il est où chez vous? Dans ma barre de réaction. Dans mon inventaire. Moi, il est dans le Curious. Dans et même le... dans ton Curious, il fait... Et quand tu vas sur la Lune, tu prends des dégâts avec le je même dans des curious. Dégâts aussi, ouais. Ça devrait aller là, pourquoi s'il n'est pas allé automatiquement? C'est bizarre parce qu'il te dit bien en plus que le Space Briefing c'est fait pour ça. Hein, donc... Non, il y va automatiquement si t'as le. Si t'as use le. Energy... Ah, non. Ah, non. Use Energy or Durability requires Enable Oxygen Can. Mmh. Inventory. Mmh. Bah oui, on l'a dans l'inventaire. Ah, là, je l'ai même dans la main. Il y a quelque chose qui va pas, hein. Me voir là, ah. Me voir avec Calypso. L'oxygène canne. Ouais. Tiens. Faut faire clic droit avec pour l'activer. Oh. D'accord. Ah oh, purée. Ok. Super. Bon alors, on va pouvoir y retourner. Si je te laisse passer. Vas-y, vas-y. Allez. Comme elle veut qu'elle prenne les dégâts en premier. Ah là, c'est tout de suite mieux. Ah bah voilà. Ah, ah c'est bon. Ah voilà. Oh. Un plaisir. Je suis sur la lune. Oui. Ouais. Bon, je suis souvent sur la lune. Oui. Ouais. C'est quoi ces bestioles là? Ah attention. Azazak avec du knockback. Ouais. Ça, les... ça t'expédie bien loin, c'est ça le bête. C'est les lumières. Oh là, bon, d'accord, je m'approche pas là. Oh là là. Pas gentil. Oh là, c'est des méchants ah, ça. Oui. Oh, mais il y en a partout là. Oh là là, oh là là. Mais non, ah, mais ouais. Vous énervez. Et il y a des machins qui te foutent droit aussi. Oh bah. D'accord, super. Bon. C'est très sympa. C'est très sympa la lune. Ouais. Walking on the moon. Hein. Hop là. Bon. Alors, on est venu chercher quoi alors du coup sur la lune? Des météorites. Des météorites. Facile. Alors, faut chercher des météorites. Alors, tu cherches un trou. Et puis tu fonces. Ah, mieux. On a mieux que ça. Ah bon, on a un compas. Oui. Compas. Non, bon. pas un trou comme on ça. Un compas. On a un compas qui nous donne un le. Ça, le... Ouais. Un trou rond. C'est par là qu'il faut aller. Un trou rond. Bah, je crois. On va suivre Delphinus alors. Il y a le compas. Et oh, se calme les lunes. Ben, pourquoi il faut c'est loin, mon schtroumpf. Attendez, je suis coincé. Mais pourquoi il faut pas que je passe? Ah, ça y est, je suis passé. Hein? Je sais pas pourquoi. C'est quoi ça? Ça n'en est pas un? La sud, hein. Ah, si, aller. Ça, c'en est une, ça. Voilà. Mais ouais, non, la météorite est déjà plus là, celle-là. Ouais, déjà fait. Oh, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Mmh. Ouais, on demande bien qui. Bizarre. C'est bizarre. Étrange, étonnant. Je sais pas qui. On a perdu Calypso, hein. Je l'oublie comme ça. Non, 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 je vous suis, je suis pas loin. Non, non, elle est là, je la vois. J'arrive. Allez. Ils sont pas gentils, les lumières, dis donc. Vous nous avez pas dit ça. Oh, pardon. Je suis. Même dans l'espace, je pète. Oui, bah. Rien ne t'empêche de péter. Hein. C'est dans ta combinaison, on s'en fout. Ouais, c'est l'intérieur. je me sens plus léger, puis c'est ça réchauffe. Pas... Regarde la terre, vide en bas. Fais gaffe de pas foutre une étincelle. Hein. Ah oui, là, un danger quand même. C'est la terre. Je te rappelle que c'est de l'oxygène pur quand même hein, dans le réservoir. Météorite, ici. Ah oui, il y a du monde. Oh là, où il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Ah, elle est déjà faite. Bah, elle est fouillée. Manque des bouts. Ouais, il manque un gros morceau là-dessus. Donc... Ah oui, il manque le coffre. Ouais, c'est celle-là, mais il faut enlever toutes les stones par contre. Ah bon? Bah non, bon d'accord, ok, bah je te laisse tranquille, d'accord. Non, pas sympa, je te dis. Oh, il y a Calypso, elle fait des cœurs. Oui, je fais des cœurs. Je fais des cœurs. Aïe, mais il est où? Oula, aïe, caché. Non, mais. Ah bah. Il y a du fromage. Ah, le fromage. Je me suis pris un éclair dans Calypso, elle a pas vu le fromage de la lune. Non, plus. Encore. Sand. C'est où le fromage de la lune? C'est où le fromage de la lune? Là, bah, tu en as on a encore là, regarde ici. Oui, voilà. Ça, c'est du fromage. Ouais, du fromage de la lune. Ah ouais, Moon cheese. Ah! Et où? À moi, ça. Mais ça, c'est du fromage aussi.
Si tu le cuis, tu peux faire du fromage et le manger. Yeah. Ouais. Et je crois qu'en plus, il est réutilisable dans les recettes de Cryptopia. Oh, ah ouais. D'accord. Bon, suivante, c'est où ? Ça tourne en rond, je sais pas. Ah. Il charge. Et ton revers, il est où ? Ah oui ? Dans la propoche. Je m'envole. Qui ? Je partais un peu. C'est normal, c'est sur la lune. Bah oui, mais du coup, je me suis fait peur. Je me suis dit que j'allais finir dans le vide intersidéral. Moi, bon. Alors attends, où est-ce que vous êtes parti par là ? Youhou ! Je suis en train d'explorer pour trouver. Attends pas, ce merde ! On va réussir à faire des tonneaux. Ah ! Un dodo ? Un buggy dodo ? Hop, je monte. Ouais. Hop, 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 là. C'est bon, on m'arrête plus. C'est fini. Bon, il faut quand même qu'on trouve des météorites. On l'arrête plus, on l'arrête plus. Attends qu'il y ait un grand trou, tu vas voir. Ouais, ouais, on va s'arrêter tout seul. J'ai plus mon compas. Merde, il est où mon compas ? Mais tu peux monter les les côtes avec ton truc. J'en ai une. Ouais. Ouais. Ah. Hop, hop là, hop là. Hop. C'est profond. Voilà, on y va. Et la sud, c'était ? Eh ben ouais. C'est ces blocs-là qu'on a besoin. Les blocs mauvais. Là, écoute, je les prends. Attends. Il y a encore du fromage là. Ah, le maniaque. Tu les récupères pas, il tombe. Oui, je sais qu'il tombe. Je suis pleine. Oh, tu me fais peur, c'est tout qui s'est effondré. C'est du sable. Ouais. C'est du sable. C'est les sables de la lune. D'accord, c'est pour ça que ça s'est effondré, d'accord. Ah, bah, ils sont au sud. Là. Je te laisse prendre ce qu'il y a dans le coin, Panou. S'il te plaît, c'est le bordel. Ah. Attends, parce que j'arrive à pas remonter. Oh là là, les patterns qu'il y a là-dedans. Oui, oui. Il est bien plein. Ah ouais, ouais. Non, je vais aller un peu plus loin. Hein. Une mine un peu bizarre quand même. Il y avait 11 patterns dedans, dans le coffre. Ah, on te demande de faire une mine, Calypso. Alors, tu vas dans tes contrôles. À moi, tu vas dans tes contrôles. Pardon, ouais. Contrôle. Alors, attends, faut que je fasse. Ouais, j'en ai une autre. Okay. Option, contrôle, c'est ça. Continuer vers le sud. Ouais. Ouais. Keybind. Keybind. Et tu vas dans la barre de recherche, tu tapes EXC. Pour excavate. EXC, oui. Ah, tu te bagnes une douche, moi j'ai mis la touche E par exemple. Bah, oui. Mais hein. Tu mets n'importe laquelle. D'accord. Là, t'es loin quand même. Ah oui, voilà. Je vais mettre ça. Ok. Alors, on va trouver. Non. Oh, regarde. Ah, après, tu vas venir là. T'as trouvé une technologie inconnue. Attends. Voilà, ça y est. Donne. 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 Ok, back to game. Ok. Et après, je fais quoi ? Viens ici. Oui. Pour te commander. Attends. J'arrive. Tu vois le bloc de cheese ? Oui. Le bloc de fromage. Oui. Bon. Tu vas le miner, mais en maintenant la touche que tu as changée. D'accord. Il faut que tu la maintiennes pendant. Il y a le contrôle, le stockage. Voilà. Oula. Bonjour. Ah oui, d'accord. Dis donc, tu remplis à vitesse grand V ton inventaire. C'est ça. Alors attention, ouais. Parce qu'effectivement, il va miner tous les blocs sur un certain rayon du même type que ce que tu viens de miner. Ouais. D'accord. Okay. Donc, faire attention à ça. Parce que ça consomme toute ta durabilité et ta saturation. Donc, il faut faire attention. Ouais. D'accord. Okay. Le stockage, bon. Il est plein, Dolphinus. Ouais. Oui, mais je vais pas le faire trop. Ah, de le remplir. Bah, je saurais plus, il est plein. Il est plein, on peut plus rien mettre dedans. Oh. Ben ouais. C'est embêtant. Voilà qui est embêtant.
Je sais pas quoi te répondre. Continue. Et coucou Juju. Comment vas-tu? Coucou Juju. Ah, salut Juju. Bonne année. Oh. Oui. Il y a un grand trou ici. Parti où encore? Au sud. Pour une fois, on n'est pas à l'ouest, on est au sud. Ouais, j'ai l'impression qu'on dévie un peu à l'ouest, mais vraiment léger. Léger. C'est léger. Ouais, hésitez à l'utiliser, Calypso. Hein. Par contre, ouais, oui. Attention au bloc qu'il y a derrière, ça part très vite. Hein. Ouais. C'est pour ça, si tu veux, pour l'instant, je vais le faire à l'ancienne, on verra. Quand t'as une pioche qui tape très fort, ça. Oula. Ah, bah moi j'ai un break tout, donc quasiment tout. Je vais y aller doucement. Attends, parce que ça fait deux fois que j'ai rollback au même endroit. On est trop éloignés les uns des autres, peut-être. Laisser le serveur digérer un petit peu là. Bah, ils sont en train de générer en plus. Oui, tout à fait. Il est tranquillement. Il est en sautillant. Allez hop. Allez, on y va. Youpi. Mais tu veux pas sortir ton super engin là, que tu as fait? Non, il est chiant. Ah bon, d'accord. Il est chiant. Okay. Oh oh. Connexion reset. Ah. Oh. Encore un. Oh là. Et à mon avis, le serveur, il a eu un peu de mal à la génération. Ouais. Je sais pas ce qu'il a chargé là-dessus. Ah. Pourquoi je prends des dégâts, moi? Il y en a un qui me tire dessus là. Ah bah oui. En plus, on se fait attaquer. Fini. Ah bah oui, en plus. ça roll back en plus quand je lui tape dessus. Ça nous a pris comme une envie de pisser. Qu'est-ce que c'est? Attention, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Blitzmote. J'ai plein d'erreurs. Attention, on bouge trop. Tu descends rapidement. Ah bah j'y vais. Là. Ça a planté. Oh, les lapins. Delphinus ? Oui, j'arrive, je me connecte. C'est les lapins. Ah, d'accord. Je croyais qu'on t'avait perdu aussi en vocal, alors je me suis dit, mince, il a tout planté. J'ai trouvé un village de lapins, c'est bon. Ah, alors... t'as fait un village de lapins. Oui, les villages, ils sont souterrains ici. Oui. Ah, d'accord. Si tu vois une structure en verre à la surface, tu descends le village en dessous. D'accord. J'ai aussi savoir du Warped, comment ils font. Il n'y a pas de soucis, mais Lila. Contente, c'était là. Coucou Lila. Ah, coucou Lila. Hello. Et c'est les lapins selon Arcon. Ouais. Ah, bah quand même. J'ai cru que j'allais rentrer brocouille. Non, il y a des coffres normalement. Ouais, alors je prends pas tout, hein. Je tire. Voilà, ah, je peux avancer. Ah oui, tu peux. Une structure en verre là. Ok. Ah, salut. Salut. Je viens chercher. Alors, je monte. Qu'est-ce que je peux... L'impo. C'est l'impo lunaire. Ah. Ok, j'ai. Hein? Ah ben, ça veut pas charger devant moi. Ah non. Regarde. Je me demandais ce que c'était qui tournait dans le mur. Ben, c'est sa tête. Ils ont les lits un peu trop petits. Ils ont pas pensé à la tête. Ah, moi, ça veut pas du tout charger, par contre. Ah ouais? Ben, attends un petit peu, puis avant. Moi, je peux pas ouvrir les coffres, en tous les cas. Ils veulent pas que j'ouvre leurs coffres. Moi, je peux tout faire. C'est beau. Il m'a engagé mon serveur. C'est Eddie, elle bouffe toute la connexion. Par contre, je prends des dégâts, je sais pas pourquoi. Ah bon? Moi, j'ai beaucoup de waiting pour serveur, mais à part ça. Ouais, non, je prends des dégâts, je sais pas pourquoi. Non, je vais remonter. Ah d'accord, ouais, non, il y en a deux qui me tirent dessus. Ah bah voilà. Ah bah, oh, d'accord. Donc c'était bon. Quoi ce ouais, mais ils étaient dans la zone pas chargée. Ça s'appelle alors je les voyais pas. Ça arrive pas à revenir. Si, si. Voilà. Il est là. Ah, d'accord. C'est moi partir. Arrête. Ah oui, il y a des gens. Mais pourquoi je peux pas descendre? C'est dans la structure? Non. Je suis à l'extérieur, mais je peux pas descendre. Pourquoi il veut pas? Là, maintenant, ça va. Alors, il est... Bizarre. D'aller. Moi, je suis pas loin. Je suis là. Ah, je te vois. C'est quoi, tu vois, j'étais ici. C'est des lapins.
J'étais ici, j'avais la map qui était générée juste devant moi, et devant c'était le vide. C'est fou parce que je générais devant. Aïe. Aïe. Mais il nous embête, lui. Voilà, a pu. Il est méchant. C'est pas bien d'être méchant. Il y a des coffres, hein, si tu veux aller dans la structure. Ouais. Attends, hop. Ah, mais attends, il y a des méchants pas gentils. Ah oui, hein, ils sont... Pas gentils. C'est des vilains, voilà. Voilà. Mais... Oh, oh. Aïe, mais... Oh. Mais j'ai du mal à sauter. Mais pourquoi je... Mais... Ah, mais c'est... Oh. Je sais ce que c'est les effets. Bête. C'est pas vrai d'être méchant comme ça. Oh, il m'invite. Je reste pas, je pourrais m'énerver. Ah ouais, non, il n'y a pas beaucoup de covenants. Non, il n'y a pas grand chose. Bon, il y a tout plein de gens. Un curé lunaire. Ouais. Ouais, bon. Non, mais ce que j'aime bien, c'est leurs blocs là. Ils sont beaux. On peut leur prendre. Oui, tu peux tout prendre. Et dépouiller un comme ça de village entièrement. Ils sont beaux. Je peux. Comme ça, est-ce que j'ai pas de place? Ouais. Je sais pas, la pioche elle m'a cassé. Hein. Ils ont du warped dans leur. Oui, t'as vu? Dans leur village, c'est rigolo ça. Ah ouais, ils ont des trucs. Oh, il a un chapeau de paille sur sa tête lui. Ah, il a une tête affreuse et un chapeau de paille dessus. Bah, c'est un fermier. Et moi, je suis les lapins. Hein. Des lapins, Des lapins? Ça ressemble pas à des lapins. Ah bah écoute, dis ça à Arcon, hein, pour lui, c'est des lapins. Ah oui. Ok, ah bah oui, ok, bah pas de problème alors. Oui, on est sur la Lune. Ça me fait surtout penser aux Martiens de Mars Attack. Oui. Vous êtes d'accord, hein? Oui, oui, tout à fait. L'inspiration non, mais... est quand même très présente tout de même. Il y en a qui tombent pas à l'eau, écoute, hein, que je te dis. Ouais. Je peux pas tout prendre, hein. Je dois faire des choix. Ouais, bah je prends pas tout non plus. Priorité au joli bloc. C'est ça. Bah, c'est quoi ça? Block of Blue Iron. Bah, c'est ce que je prends. Que je trouve joli. Bah oui, c'est joli. C'est ah, bleu, tiens, j'ai vu quelqu'un passer en violet. Ah, c'est Delphinus. Ah, les coffres, je les ai déjà tous fait, Delphinus. En fait, c'est des coffres incensiés. Chacun le sien. Oui. Ouais. D'accord. Tant que tu les vois en doré, c'est que tu les as pas fouillés. Quand tu les as fouillés, ils sont argentés. Ah, d'accord. D'ailleurs, si tu essayes de le casser, il te met un message comme quoi les autres. Mais tu peux le casser. Il faut sneaker en le cassant. Ouais. D'accord. Tout à fait. Et là, tu peux le casser. Ah, il y en a un qui est en train de mourir dans la lave. Pourquoi tant pis pour lui, il a qu'à faire attention. C'est pas grave. Sélection naturelle. Sélection naturelle. Ah oui. T'as raison, Lila. Ah oui, mais nous, ils sont pas dans le même village que nous. Ça peut faire des tours. T'es en train de me dire, mais où est-ce qu'elle l'a vu de la lave? Bah là, je sais pas, il y a quelqu'un qui a... Non, je vais tomber dedans. Ah là 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 là. Qui c'est qui fait ça? Pourquoi vous avez tout cassé? Arrête, pourquoi tu nous embêtes? Les blocs, ils sont jolis. Oh. Oui, c'est vrai, ils sont jolis. Bah, ils mangent, je crois, même là. Oui, du coup, bah, tu les récupères. Si ils sont jolis, je vous apprends. Voilà, il m'en voudra plus. Ah. Bah, je sais pas comment ils se craftent. Mais c'est vrai qu'ils sont jolis. Et ben comme ça, tout simplement. Ah si, c'est oui, facile. Tu sais les crafter normalement, ouais. Ah oui, c'est facile, regarde. Ouais. Iron plate. Oh, c'est des iron plate, ça va aller. Puis la piste, quoi, ça va. Je sais pas. T'as des flèches partout, par contre. Bah oui, c'est eux, là, avec leurs tentacules. Alors, est-ce qu'on je dis que j'aime pas les tentacules. Oh, j'aime bien, ils ont quand même fait même l'effet que les blocs volent un peu dans l'air. Ah, Daphinus et Calypso sont un peu derrière nous. Ah, c'est la gravité. Ils ont des vies, ils ont plus des vies que nous à l'ouest. Oh, bah. Nous sommes toujours un peu plus à l'ouest. Je suis pas étonné. Hein. Attends, hop. Ils doivent être là quelque part. Oh, ah, je sais pas si c'est quoi comme liquide, mais il y en a partout. Il y en a un qui a des fuites. C'est du fuel, c'est marqué. À ta place, je me mets. Ah, c'est du fuel. Ah ouais. Ah, pas vu. Le fuel en contact avec la lave et ça explose pas. On a de la chance, hein, quand même. C'est pour ça que je récupère en fait.
Ah mais. Où est-ce qu'il s'est on se pousse. Non mais oh. Bah, poussez-vous de devant. Vous cliquez par ici. Ouais. Je le vois pas. Bah, je le vois. Ah si, droit vers le nord. Là. Attends, je remonte à la surface. Ah, je vois quelqu'un qui coule. C'est quoi ? On est là. Oui, pas gentil. Oh, pas gentil. Ah, c'était pas gentil. Voilà, ici. Ah, il m'attaque, ouais, là. Je vois. J'y suis. Oui. Hey, c'est les trucs tout blancs, ouais, puis qui deviennent plus tout blancs. Ah ouais. Oh là, ma pauvre Edith, tout plein de flèches tout partout. Bah oui, ils sont pas gentils, les méchants. Ah bah non. Ça, oui, voilà. Et il manque beaucoup de blocs, là. Bah ouais. Oui, on est en train de tout démonter, donc... Bravo. Ah ouais. Je vous invite pas chez moi. Dépend, c'était des blocs qui sont jolis ou pas. Ça, parce que sinon on va avoir du mal à ressortir. Ah, t'as le vol, Calypso, tu voles. Oui, c'est vrai, mais bon. Bah oui. On peut dormir sur la lune. Ah. Ça va être trop vite. On peut dormir sur la lune, ça fait pas. On en parle du fuel qui coule sur la lave. Mais oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, là aussi. Oh, bah c'est le deuxième. Pas entendu. Bah c'est le deuxième alors. Ça se. C'est tout cassé. Maintenant, nous, pour avoir les coffres. Merci bien. Il y a le vol. Mais quand même, on se repère beaucoup moins bien. Par contre, j'en connais quand ils vont sortir de leur lit, ils vont avoir des soucis. Ils vont se retrouver un peu plus bas. Oh, c'est pour si peu. Bah, après, ils ont la tête dans les murs, alors je vais te dire. Ouais. C'est plus après. Hein. Ouais, d'or, c'est des lapins, hein. Les lapins, ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Hein. Non. Non, ça va pas faire de. Ah, au bout, il n'y a plus rien. C'est de joli. Bon. Là, un peu. Tout plié. Tout plié. Ah, on a loupé les coffres, là. Ben, peut-être. Ouais, j'ai vu ici sur le côté un truc. Mm. Ah non, il y a un méchant. Un méchant pas gentil, je reste pas. Trouver la sortie maintenant. Voilà. Ils ont tellement tout cassé. Ouais. Ah, mais c'est du fer aussi, le bloc, là, j'ai pas vu. C'est où la sortie? Ah, c'est là. Ah oui, t'as vu? Ah oui, ils ont vraiment tout démonté. Ouais. Puis après, nous on se repère plus. Attends. Merci. Hein. Ah là, voilà. Ah, c'est bon. Ah oui, là, pour le retrouver, ce village-là, bonne chance. Hein. Ouais. On reviendra plus. Bah, ben, tu sais pas. Voilà. On en retrouvera un autre. Ben, allez. Bon, on n'a pas trouvé beaucoup de météorites quand même, là. Non. Oui, parce que le but, c'était de trouver des météorites, c'est ça? Ouais. Météorites, ouais. Et en fait, on s'est trouvé à piller un village, mais c'est des météorites qu'on a besoin. Mais Moi, je vais voir à l'ouest. Ça. Allez, bah, plein ouest, voilà. Allez, on va à l'ouest, alors. Étonnant. Pas trop vite quand même pour le serveur, s'il vous plaît, merci. Ah oui. Pas courir. Bah, je peux pas, je vois. Vitesse minimum. Ça va, ça charge. Mm-hmm. Ah, pas de Calypso. Calypso, c'est à l'ouest, avec un W. Oui, j'arrive. Vous m'avez dit de pas courir. Oh, village, encore un village, ah bah dis donc. C'est bizarre ça. Non. Comme c'est bizarre. T'as du mal à rentrer? Attends, je vais t'aider, regarde. Bah non, je regardais. Mais je faisais que regarder. Vous avez pas une boussole? Bah si, Delphine, il y a un truc. Mais... Je l'ai plus, je sais pas où il est. Il y a un méchant pas gentil dedans. Ouais, on m'a pas dit qu'il y avait des méchants pas gentils dedans. Ah, toi, je savais pas. Allez, bah, coucher, mais ah. C'est les trades, traditionnels de. Ouais, c'est. Ouais, c'est le même trade. Ça aurait été sympa d'avoir des trucs bizarres. Ouais, c'est juste tellement pour la ouais. S'ils font Par contre, il n'y a pas de coffre. Hein. Ouais. Pas de coffre. Il n'y a pas un seul coffre. Non, pas de coffre. Non, j'en ai pas vu. Non. C'est que des fermiers, c'est quoi cette merde? Non, il y a un libraire ici, un weaponsmith. Ouais, mais il n'y a aucun coffre. Bon, y a pas un seul coffre. On casse tout. Bah vas-y, la pioche est quasiment raide alors. Ok mon clampin, bonne nuit, des bisous, et oh. Bonne nuit clampin. Bonne nuit clampin. Bonne nuit clampin. Il faut faire gaffe. Non mais sauvage. Ah ouais, bah dis tout cassé, casse tout. Ouais, il y aura vengeance. Hein.
Un jour ou l'autre, tu pourras plus casser. Tu n'aimerais pas pleurer. Hein. Un balou. La merde, c'est utile de fermer, c'est vrai. Ah, et le village, il est là en dessous, tiens. On voit tout le sable qui est en train de tomber d'un coup. Oui, mais non, il y a les villageois qui se retrouvent au, au, oui. La faute à qui, à ton avis? Bah, il y a un sauvage en dessous. Hein. Voilà. Je me demande bien qui ça peut être, hein, franchement. Il y a un sauvage en dessous qui est en train de tout péter. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, ils plantent du blé. Ah, d'accord, c'est rigolo. En fait, ils ont exactement le même comportement que les villageois. Oui, ils sont quelqu'un sur les fermiers. Hein. C'est juste le skin qui change. Ok. Juste des oreilles plus grandes, quoi, c'est tout. C'est ça. Bah, c'est ce qu'il faut quand t'es à la part. Ah. En tout cas, on c'est des carottes qui devraient. Quels sont les habitants de la lune, c'est les lapins. Ça, les lapins, ça aime pas que les carottes. Hein. Ça aime aussi le chocolat. Oh, je suis pas sûr que ce soit très bon pour leur santé, par contre. Non, mais ça aime bien. Ah, un encore un village. Bon, ben on trouve des villages, mais pas de. Il y en a pas un qui pourrait nous indiquer une autoroute. C'est plus grosse, mais pas plus pleine, apparemment. De map, ni... Ça reste des hommes. Attends, il y a un vilain pas beau là. Alors, si vous arrêtez de bouger, on peut essayer de faire quelque chose. Voilà, ça pue. Bon, bah, je me pose. Non, c'est tout. Ah. Aïe, un méchant pas gentil. Qu'est-ce qui se passe encore? Là, il n'y a plus le méchant pas gentil. Ah, c'est bien. Il est devenu plus méchant et bien gentil. Il y a des coffres ici. Non, j'ai le OK, tout va bien. Ah, et on a encore deux là. Non, j'ai vraiment plus. Ben, moi aussi. Tu regardes dans quoi? Il n'y a pas de cop là. Ah, si. Ah, si, là. Ouais, et ben, il est transparent pour moi, regarde. Ah, oui. Oh. Bon, le jeu, il a un problème avec moi, je crois. Même pas. Ah, ben, je crois que je suis pleine, je peux plus prendre rien. Ah, il y en a un autre à côté. Ouais, il y en a deux là. Bah, je pars de ce. Bien que je regarde alors, si ça se trouve, j'en ai plein. Ah. Comment louper un corps, ça va comme ça. Voilà. Voilà. Ils sont pas sûrs, ils sont là. Il y a une météorite au nord-est. Ah, attends, si on est dans un village. Ta sortie, s'il vous plaît. Voilà, nord-est. Nord, par là, est, par là. Ziu. Ah, il y a Calypso qui est là toute seule, par contre. J'arrive. Alors, vous passez au-dessus coucou, de moi, là. Ici, non, je suis à côté de toi. Coucou. Ah, d'accord, ok. Par là. Ok, je viens. Je cherche la météorite nord-est. Attends, les copains. Ah, je vois Edgy. Calypso. Coucou! Et Dalphidius, il est où? Je sais pas. La météorite. Ah, ah. Ouais, bah, le temps qu'on arrive, il l'aura fait, quoi. C'est ça. Allez, je le ferai bloc par bloc. Oh c'est non, ça, il n'en fera pas une, il en fera au moins deux ou trois. Hein. Bah, nous, on est en train de discuter avec des lapins. En même temps, peut-être pas. Et en plus, il y a des conversations des villageois. Bah, oui. C'est pas des villageois, c'est des aliens. Non, c'est des villageois, ils ont la même tête. Ouais, mais ils ont pas les mêmes oreilles. C'est leur planète, quoi. Oui, il est où, Dalphinus? Alors... Ah, attends, on est trop loin. Dalphinus, il est à l'est de nous. Ah, mais elle a été faite, celle-là.
Ah, bah oui, c'est celle qu'on a fait avec Eddie tantôt. Ah, il faut enlever les coffres, hein. Quel coffre? Le coffre au milieu. Ah. Vous partez dans tous les sens. Bon, je suis balou. Hein. Mais je retourne vers Balfinus, moi. Si j'arrive à avancer, parce que là, il me... Ah. De toute façon, je reviens vers vous, parce que le compas, il tourne. Comment on accroche vers le nord d'Alphinus alors? Allez, arrive. Voilà, tout droit. C'est bon, tu vas nous tomber dessus tout pile. Je suis là. Ouais, Alphinus va arriver de par là. Normalement. Si tout va bien. Non, il est un peu plus à l'ouest. Ah, non, l'autre ouest. Ah, elle n'a pas encore accroché la boussole. Ah. Attendre un peu. Bon, on peut explorer pendant ce temps-là. Là, on a tourné en rond, là. Bon, ben, retour vers l'ouest. Bleu. Allez, hop. Bonne année. Ah, héros bleu. Je me doutais que Balou allait proposer l'ouest. Ouais, moi, ouais, c'est toujours sûr et certain. Toujours plus à l'ouest. Ça. Tant qu'il y a de l'ouest, il y va. Toujours pas accroché, hein. Allez. Accroché. Bah, elle tourne en rond la boussole. Ah. Parce qu'elle l'a pas trouvée. Elle est déréglée. Elle est cassée. Bah ouais. Trouignons du tout. Tiens, voilà. C'est sûr. Ça marche pas mieux. C'était trop sympathique. Pas taper assez fort. Pas taper assez fort. Attends. Attends, ah bah, j'ai cassé. Ah, il a cassé le bloc. Ah bah, bravo. Attends, cassé plus fort. Allez, tiens, alors, c'est bon. C'est bon, ah, ça va. En plus, ça marche, ça pointe vers la météorite. C'est parti, youpi. Ah bah, toujours là, regarde. Un village et une météorite, ça va aller. Elle est toute petite, celle-là. Ah, c'est une petite, ça, ouais. C'est pas l'attaque qui compte. Ouais, c'est non. T'as raison, Arcon, c'est pas l'attaque. Moi, je suis pleine, donc ça sert à rien, je peux rien prendre. C'est ça, prendre le fromage. Je sais pas, oui, c'est compliqué là. Bah oui, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Oui, je comprends. Après avoir mangé une fondue, oui, j'aime bien le fromage. Oui, ah bah oui, oui bien sûr. Bah oui. Justement, c'est pour préparer une fondue. Je prends tout le fromage lunaire. On va préparer une fondue au fromage lunaire. Une fondue lunaire. C'est original, quand même. Oui. Calypso. Oui, attends, j'arrive. Hop, attends. Il faut déjà que je repère où tu es. Là, oui. Là, prends ça. Ah, pardon. Oui. J'ai lancé un peu fort. Oui, oui. Alors, c'est quoi ça? Prends-le en main. Sneak, clic droit. Oui. Sneak, clic droit. Oui. C'est un magnète. Ça sera mieux que ton... Encore mieux que le backpack, tu verras. Ah bon, d'accord, ok. Et tu peux le mettre dans un des slots curieux. Ouais. Par contre, je te conseille de le garder en main parce que des fois, on a besoin de le désactiver. Donc, ouais. Sur certaines craft, certaines choses, t'es obligé. Ouais. D'accord. On dirait un gâteau. Ouais, cassé. Encore cassé ma boussole. Mon compagnon est cassé. C'est pas prendre soin de tes affaires. Comme ça, parce qu'il s'use. Il bouge. Non, c'est parce qu'il cherche en fait. Il cherche la localisation des météorites. Ouais. Oh, la Terre, regarde, elle est belle. Ah ouais. Et on voit le soleil. La range, sa range est pas énorme à la boussole. On va peut-être trop vite, pour le coup, là. Non. Non, mais elle détecte pas très très loin, donc. Pas gentil. C'est des lapins, mais avec des tentacules. Mmh. Et qui te crachent dessus, en plus. Non, c'est dégueulasse. Ils ont été croisés avec des lamas. Ouais. Lapin, plus lama, plus tentacules. Ah bah, voilà. Ça, c'est des lapins croisés avec des lamas. C'est des expériences dans les labos, hein. Ça donne ça. Mmh. Ah bah, oui.
Ah, c'est ce qu'il faudra dans l'ancienne cité, dans notre laboratoire, Calypso. C'est ça qu'il aurait fallu dans la base de Leto sur la V1, sur l'autre version. Un village à droite. Mmh. Aïe. Oh, pas gentil. Ah, j'ai un œuf. J'ai un œuf d'alien zombie. Yes. Faire un spawner. Ouais. Elle veut pas accrocher, toujours pas. Il en faut beaucoup des blocs violets. Le temps qu'il a combien au 70. Non, pas beaucoup, mais au moins quelques-uns. Mais bienvenue Alex en live, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Merci pour le follow, c'est gentil. T'as tout cassé encore là, compas, alors. Mais t'as plein. Refais comme tantôt. On fait comme tout à l'heure. Allez. Voilà. Non, marche pas. Allez. Paf. Bah non, ça marche pas. Non, les dons sont pas possibles pour l'instant. Mais c'est gentil quand même à toi. Ta chaîne est toute petite, c'est pour ça. Ah, faut pas bouger la tête en même temps parce que l'aiguille a tendance à rester pointée. Oui. Mais ça dépend dans quel sens tu tournes. Dans le sens inverse de l'aiguille du monde, t'arrives à garder l'aiguille toujours pointée même. Et on se calme. Allez. Plus rien, c'est fini. Il n'y a pas tant que ça des météorites sur la Lune. Bah, dans le stockage, il y a 4 blocs. On n'a pas tant que ça. Parce que je les ai pas envoyés dans le stockage. Moi. Hein ouais. Ça, par contre, normalement, tu dois pouvoir les envoyer dedans. Je le sais. Après, les 4 blocs, ça fait combien? Ça fait 9, non? Bah, c'est 4 plein, j'arrive. C'est 4 chacun. Vous êtes arrêté, je continue, moi, comme une nouille. Parce que j'en ai 14 sur moi. Après 4 chacun, Fois 4 chacun. Ah, ouais, 14. 14, c'est pas mal, ça, quand même. Ils sont là. Voilà, de l'autre côté. Non, on est là, Calypso. L'autre droite. Oh. Oui, bah oui, mais bon. La droite avec un G. Oui, oula, mais il y a du monde là. C'est quoi, avec un R. Ouais, elle. J'ai attrapé des trucs là. Oui, des gens. Oh, là, je vois pas. Mais ça, c'est quoi? C'est ce thermal, c'est ça? Voilà. Ah oui, les bits de thermal series. Hein? Oh, j'ai cru que t'avais tapé Calypso. Ah, je t'ai visé quand même. Il y aura marqué Balou 72, je dis pas, mais là, c'était marqué Calypso. Tu t'es rapproché d'elle, je t'ai vu, t'as failli. Hein. Ah, je t'ai maîtrisé. Ouais. Viens, ouais, c'est ce qu'on dit. Aïe. En trop, mais il y a pas. Ouais. Pour l'instant, moi, je me suis attaqué. T'es où? On les a perdus, je crois, Delphinus. Ah, pas plus à l'ouest encore, toujours, ouais. Ah, d'accord. Toujours plus à l'ouest. D'accord. Ah, j'essaie de voler assez haut pour pas qu'il me fasse de dégâts. Oh, j'ai quoi dans les... Ça veut pas accrocher encore, hein, bon. Ça marche pas, ton truc. Mais il n'a pas tapé assez fort par terre, c'est tout. Ah, pourtant, je n'ai cassé des blocs en un coup. Rien. Non, il n'y a rien du tout là. Après, on se débrouillera avec ce qu'on a, puis voilà. Hein. Sinon.
Mais dit qu'elle en a 14. Ouais. 4 dans le storage. Okay. Donc, ça 14, peut... ça fait 28, 18. 56. Ouais, c'est bon. Mm-hmm. Mais il y a le poulet de celui-là, non? Non, il te fait le dust, il te fait. Ah oui, 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 c'est le dust. C'est pas le cristal qui te fait. Après, est-ce qu'on peut passer du flux au dust avec la machine des mécanismes? C'est ce que je demandais tout à l'heure. Je pense pas. Je sais plus. Flux dust. Non. Ah bah si, il te fait les graines, les fluxides. Et les fluxides, tu les fais passer dans l'enrichissement chamber. Et ça tenait le cristal. Oui, donc, c'est ça. Mais il faut l'enrichissement chamber de machine. Ah oui, il faut la machine, effectivement. Ouais. Mais... Alors, de toute façon, il faut les faire, les machines. Ça, un tortillé du cul. Ouais. Pour péter droit. Ouais, donc l'enrichissement chamber, là, il faut la faire. Tortillé du cul. Non, non, mais c'est vrai. Quoi, t'as déjà essayé, Calypso? Ça, c'est Calypso qui est poursuivi par des mobs. Oui, c'est moi qui suis poursuivi par des mobs, et je fais quoi? Je continue à l'ouest, hein? Ouais, ouais, c'est toujours à l'ouest. Je vois rien du tout. Bon, moi, je vous annonce, il est à la con, des égouts sur la lune. Oh non, les petits joueurs. Non. Un gadget. Vas-y, on regarde. Avec le but. Allez, sans gadget, ok. Je fais avec un train minier de Create. Non. Ah, si, t'as dit sans gadget. T'as dit sans les building gadgets. Tu triches. Bon, t'es en mode. Je vois plus Calypso derrière moi, par contre. Est-ce qu'elle est? J'arrive. Ah oui. J'avais fait une petite pause pour piquer un morceau de chocolat. J'ai cru que t'avais. T'as fait faire pipi derrière un rocher. Moi aussi. Elle m'a tortillé. Des villages, ça y en a, hein. Mais des météorites. Ah, moi, je crois qu'on peut rentrer là. Mm-hmm. Ouais, on rentre. Allez, on rentre. Ouais. Ah, mais attends, Calypso, pas la Warped. Elle... Si, elle a le Tempad. Ah, oui, la Tempad, donc c'est mieux, ouais. D'accord. Hop, Cassos. Ah, j'ai quand même réussi à le prendre. Ouais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites comme ça en dessous? Ah, qu'est-ce que vous faites dedans? Ah, c'est qui? Qu'est-ce que vous faites dedans? Je reconnais l'intérieur, c'est Calypso. Ah, j'ai vu Balou aussi. Ah ben. Il reconnaît l'intérieur. Je voyais pas où Calypso avait mis son portail. J'ai atterri dedans. Ouais. Ça va aller. Pas toujours facile. C'est compliqué. C'est plein, je peux rien mettre dedans. De le rock, ouais, il faudra qu'on remette certains trucs dans des... Non, mais il faut changer, là. Ah bah, de toute façon, il faut passer sur la play, donc... Voilà. Mais il va falloir qu'on produise un peu plus d'énergie, parce que là, on est en rade. On est vraiment en rade d'énergie. Moi, je suis d'accord pour l'énergie, je vais aller me chercher du chocolat, je reviens tout de suite. Les panneaux solaires, c'est lesquels que tu as pour le moment? C'est les 4, je crois. Les 4? Et t'en as combien? 2? Non, c'est les... Attends. Ah bah je sais plus. Allez, change de combinaison. Alors moi j'aime bien, je range à l'ancienne, parce que comme de toute façon c'est plein de chez plein. Du coup, bah je fais les coffres un par un. Ça au moins ça rentre, voilà. Hein, parce que On en a 2 de niveau 4 et 2 de niveau 3. Qui bah, peut-être déjà upgrader les 2 de niveau 3. Ah bah de toute façon, faire 2. C'est pas pour rien que j'attendais les applied pour les autographes. Hein. Oh, mais sinon, ça va avec comment le RF Tool. Je suis monté sur les 4 sans trop de problèmes. Mais là, vert par contre. Il va falloir, et puis autocrafter tout ça et passer au niveau supérieur aussi de toute façon. Donc, mais il y a du boulot de toute façon, on est du boulot, beaucoup de boulot. Mais
Il y a du, y a, t'as une réserve. On n'est pas là pour tortiller du cul, hein, au boulot. Voilà. C'est ça. Est-ce que t'as une réserve de sable quelque part pour faire du verre ? Définis, c'est une propagule à plume sur lui. Parce que sur le verre, il va falloir un fameux paquet. Du verre ? Ouais. Ah, pour les panneaux solaires, il en faut. Hein. Mais du sable, on en a plein. On en a 468, là. De verre ou de sable ? De verre. Ah, ben ça va, alors. Ça va aller. Tac, 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 tac. Alors, attends. Disions donc. Mais il n'y a pas que les panneaux solaires, de toute façon, c'est les batteries surtout. Il va falloir qu'on augmente les batteries. Aussi, ouais. Alors, du coup, le Flux. Fais des bulles. Je fais des bulles. Ah oui, parce que j'ai absorption. Comment je fais pour ranger ce que j'ai dans mon dans mes on affaires là ? Je peux pas les ranger ? Là, il faut attendre un petit peu, parce qu'on a un problème d'accord. De stockage. D'accord, j'attends. Alors, c'est pas un problème. 4. Ça y est, je peux venir me vider. 8. Ouais. Très bien. 32 comme ça. J'ai plein de, de récompenses de quêtes à ranger. 2. Pourquoi je fais peur ? Silicone 2. Ensuite, 32 x 3 de la redstone. Moi je me vide comme ça. Rien à foutre. Comme elle dit qu'elle n'a rien à foutre. Oh là là. J'ai entendu. Non, parce que j'ai la main black. Pourquoi j'ai un inscribeur et que je pose, il casse Ah. Voilà. J'ai fait comme Edgy. Ça n'a foutu. Ah bah voilà. Ah bravo. Et dans le stockage, je vois pas de glace, moi. Normal, il est pas dedans. Il est là, dans le dock. Okay. Là, ici. Ah oui, mais il me le faudrait dans le stockage, moi. Oui, bah, et t'as qu'à venir le chercher ici, toi. T'es sérieux? Oh là 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 là. Ah non, mais non. Insupportable. Mais par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi moi l'Advanced Scriber il casse. Je sais pas. Comment ça il casse hein? Il me pose, il casse. Par contre, il y a un manet qui les récupère donc. Ah, c'est fort possible. Ah non, c'est pas le mien. Attends, je trouve, ça ressemble à quoi déjà ce truc. C'est ça, la pièce de fortune? Ouais. Dans les slots curieux, si tu le trouves pas. Mais non, la pièce que j'ai. Le truc que je t'ai pris. Ah, c'est un Advanced Scriber. C'est un bloc gris. Malin, c'est le gris, je te jure. Je vois rien. Alors, ça c'est déjà bien. J'ai une Mossy Waystone par contre, ça t'intéresse ? Non, c'est pas celle-là. C'est un bleu gris pourtant. Rien à voir avec les mains, ce que je veux. Ah, je l'ai. C'était du bois. 256, ça devrait le faire. Voilà. Ah, j'aurais pu essayer de le poser. Il veut pas. Redstone ? Non, il veut pas. Ah, il casse. Redstone. C'est bizarre parce que j'ai réussi à en mettre un là tout à l'heure et là il veut plus. Et là, tu peux plus nulle part. Plus nulle part. C'est bizarre. Enfin, je peux plus nulle part connecter à la plaque en tout cas. C'est quand même que connecté comme il faut. Dessus, il veut pas. Bah oui, il y a peut-être essayer quelque chose. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a des pistons? Ah, là il veut. Ah. C'est ouais, c'est ça. Ok, je sais c'est quoi. C'était le Security Terminal. D'accord. Faut que j'éternue. Voilà. C'est les deux. Alors les trois. Ah oui, il me faut ça. 4, 3. Les amis, où par contre les trucs? Dedans, ah, mes amis dedans. De quoi tu veux quoi? Les engineering processeurs, en fait, il les met directement dans le stockage une fois qu'il a terminé. Oh, c'est cool ça. Mmh. Ouais. Mmh. Bah ouais, il faut aller les extraire. J'ai été occupé à crafter une du. Voilà. T'es beau.
Non, mais tu l'as vu le solar panel là ou pas? Non, mais ça va aller. Ça va aller, Balou. Respire, respire. Ça, mais pourquoi ils me mettent toujours les obscurs là? Je veux pas, moi. Ah, il n'y a pas de lapis dans. Lapis. Non! Voilà, tu es cassé. Tu ne vois plus. Bon, tant pis. Bonjour, je suis là. Bonjour, je suis dedans. Bonjour, je suis là. Bonjour, je suis dedans. Ça va mieux? Ouais, je traverse le mur, ça va. Mm-hmm. Bonjour. Oh. D'accord, ouais. Okay. Non, mais c'est sympa, sinon. Merci. Il va bien, Daphinus. Il va très très bien. Je peux lui mettre un... Ah, attends. 3. T'as pris tes petits médicaments de l'eau plus un petit peu, et moi aussi. Hein. Alors, oh, j'ai entendu. Ah oui, oui, oui. Ah, ah. Oh, bah, ouais. Et Balou imperturbable qui arrive à se concentrer avec tout ce cirque autour de lui. Je sais pas comment il perd. Hein. On l'a entraîné. 3, 2, 6. Pot. Je vais y arriver, te jure. Il nous manque plus que sa vue. Ouais, Balou. Ouais, ouais. Ça gaze. Ouais, ouais. Parce que nous, ça gaze, hein. Ça farte, même. Ils sont pas possibles. Aïe, il y a des combos par moment. Ouais, non, ça gère, mais non. Ça va. Photocellule 1. Des bisous, Oya, bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit, Oya. Bonne nuit, Oya. Non, il m'en faut encore deux. Qui me les a. Moi, je suis curieux, je viens voir ce que tu fais dans ton petit trou. Dans mon petit trou. Voilà, c'est un petit trou, ça. Hein. Je vais dire, mais... Après, il n'y a pas besoin non plus d'un grand trou. Hein. Pas la taille qui compte. Hein. C'est ce qu'on dit pour se rassurer. Hein. Alors. Ça fuse, mais alors, c'est terrible. Ça. Oh la vache, ce soir, c'est un festival. Ce soir Oui, bon, bah, que ce soir, c'est sûr. J'étais pas là les autres soirs, alors. Non, t'étais pas là hier soir, c'est dommage. Hein. Je te le dis. Quasiment tous les soirs que c'est comme ça qu'il se. Que ça soit sur Tanisi ou ici, quasiment tous les soirs comme ça. Ouais, ouais, c'est. Pourtant, il n'y a pas plus sage que nous. Hein. Ah non, c'est sûr. Quand il y a des batailles de string. Non, il y a des vols de string. Oui, vous alors qu'il y a ton nom marqué dessus, hein. Moi je dis ça, j'ai rien, il y avait marqué. Oui, il y avait qu'une faute en plus. Hein. Vous demandez qui il y avait la petite étiquette Arcon sur le stream. Enfin, là où il restait du tissu, quoi. Voilà, j'ai les 3 maintenant. 4. Bah, tu vois, tu l'as grandi ton trou. Ah bah, ouais, avoir un peu de place. Hein. C'est bien ce que je disais, hein. Il faudra mettre plus à l'intérieur. Lila, elle en pouvait plus. Delphinus, est-ce que tu saurais aller me chercher tes deux panneaux solaires niveau 3? Et tu peux pas aller chercher? Oh, mais ils sont dans mon trou. Je sais pas où ils sont. Sur le toit. Sur le toit. Attends, je vais aller alors. Faut qu'il puisse accueillir du monde, oui, bien sûr. Ah,
Par contre, alors, si on, il l'insère automatiquement, donc on n'a plus besoin d'extraire. Par contre, il faut toujours insérer. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, hein, il faut toujours c'est que c'est 5 inscribeurs. Un poire presse plus le dernier qui fait le reste. C'est ça, ouais. Ou si tu veux vraiment optimiser au niveau vitesse, un pour le silicone, un par donc un pour l'or, un pour le diamant, un pour le certus, et tu en rajoutes un à chaque fois, un à l'or, un au certus et un au diamant. Oh bah, de toute façon, après, ça sera avec ça, le... c'est 7. Mais bon. Mais si tu veux vraiment encore optimiser, il faut, il faut mettre un silicone à chaque aussi. Oui, et là, tu es vraiment optimisé. Ouais, bah, de toute façon, non, on va pas en crafter 500 millions non plus. Donc, par contre, c'est quoi le truc? C'est le bus. 4. Et storage bus, c'est ça? Oui. Mais. Oui. Interface. Mais j'étais occupé à vouloir crafter, il a qu'à changer le truc. Voilà, ça j'ai l'interface. Contre, merci. Bon, je peux crafter? Attends, il me faut la branch. Non, attends. Là, voilà, j'ai, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est vrai que c'est infernal, ça. Voilà, t'as 4 panneaux. C'est pour ça qu'on essaye de, c'est pour ça qu'on essaye de rusher aussi. Merci Balou. Hein. Enfin. Merci Balou. Oh. Quand même. Pas trop tôt, hein. Oh là là. Ça, tu vas voir, je vais les démonter, hein. Je les fous au sol et je fous le feu dedans. Les fumeux sont toujours les mêmes, juste pour son trou et optimiser avec la silicone, c'est bien. Fallu d'aider les copains. Ouais, ben. Tu peux. T'as quoi? Non, c'est Lila. Extrait, réinséré, Dolphins. Qu'est-ce qu'elle dit? Et optimisé. Elle dit de vérité. C'est ça. C'est Darius. Darius qui s'est rendormi d'ailleurs. Ouais. Non. Ah. On va le faire tiquer. Non. Non. Non, je dors pas. C'est pas vrai. Non, mais bon, bah, 3, c'est sûr une, que. 3. Sorti du contexte, vos mots sont bizarres. 3, non, pas du tout. 3, 4. Il faut 3 cellules 2. 1, 2. Ah, ben la redstone aussi. Oh là, ouais, il va falloir vraiment faire du ménage là-dedans. Ouais. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4. Bon. Tac. Alors là, le but, c'est que donc les Advent Inscribers, donc c'est eux qui nous, vont nous faire tous les processeurs. Mmh. Là, on va essayer de les automatiser le plus possible. Alors pour ça, j'utilise des storage bus. Ouais. Les storage bus, en fait, donc ça va nous faire permettre de communiquer entre Applied et le Advanced Scriber. Donc, on va pouvoir lancer les autographes directement. Sauf que là, j'ai un problème d'énergie. Encore? Ah, ben, bah, Applied est éteint. Ouais. Ah oui, mais attends, parce que je crois qu'il fait nuit, là. Ouais. Ah, bah oui. Un panneau solaire, oui, la nuit, effectivement, ça marche pas très bien. On n'a pas des panneaux lunaires? Non. Non, mais il va falloir qu'on trouve une autre source d'énergie qui fonctionne même la nuit, hein, parce que là... Voilà. Et bon. Ça va être réalimenté. Comment s'appelait déjà sur Applied les petits bitonios pour éviter que le cap se connecte? Les encore. Les encore. Anchor, encore. Encore, ouais. Les encore. Encore. Ouais. C'est ça. Merci. Encore. C'est encore lui. Voilà. Ah. Et du coup, c'est avec des tin ingots, ok. Avec de l'étain, ça, sûrement. Oui, ça. Pardon. Moi, je me suis fait une table de craft en Balou. Je crois que Balou, il s'est endormi, j'entends ronfler. J'ai besoin de ce qu'il y a dans le stockage. Je crois que Balou, il dort, j'ai entendu ronfler. Il n'y a plus de glowstone. Quoi? Il n'y a pas de glowstone ni d'obsidienne dans le stockage? Bah non, ils sont dans les drawers, mais ils sont pas connectés. Mais j'en ai envoyé de l'obsidienne. Mais c'est quoi ce stockage là? Elle a voilà. Rien connecté. C'est normal qu'il n'y a rien connecté puisque tout est déconnecté. Oh là là. Attends, drawer. Je suis en train de faire le tour. Oh là 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 là. Eh.
Moi, si je vais grogner, je vais taper. Encore, sinon des câbles d'autres couleurs. Obsidienne, c'est ça, obsidienne, non ? D'accord. Juju, il dit, c'est câbles encore ou sinon des câbles d'autres couleurs. Ouais. Juju. Merci. C'est où l'obsidienne ? Ah, ils sont où mes trucs ? Ah oui, c'est vrai qu'il les met dedans. Ah, je suis pas habitué, moi, ce qui réinsère automatiquement dans le système, par contre. Ah oui, d'office. Ah, ce qui me souvient, moi, c'était sur la Rhinas 5 en 1.12. Il les réinsérait pas, il fallait l'extraire. Ouais, t'avais un import bus à chaque fois, ça te coûte, tout me coûtait deux fois plus cher. Ça dépend des réglages du mode. Ah oui, c'est peut-être ça aussi, ouais. Aussi. Interface, là, tac, paf, ok, ensuite, ça. Delphinus, là. Oui, attends, je craft. non, mais je vais gagner. L'obsidienne, elle est où ? Si je la vois pas. Dans le dock aussi. Tous les blocs sont dedans. Dans le dock, ok. Yep. Ok, et d'un, voilà. L'obsidienne. Hop. C'est quoi ? Je sais plus ce que je l'ai fait. Ah, les 3 sur 5, on manque juste 2. Voilà. Je remonte sur le toit. Tac, tac, tac. Je vais recouper les. Yeah. Tac, tac, tac. Ici, tac, paf. Elle est chargée la cellule. L'interface ici. Voilà. Et du coup, un storage. Oh, quand ça va être autocraft ça. Aïe, 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 aïe. Les 5. Glowstone. Ah oui, un bloc d'or. Je vais d'abord préparer tout ce qu'il faut. Parce que sur le temps que je vais crafter les panneaux solaires supérieurs encore, il n'y aura plus de courant du tout. Parce que je vais retirer les 4 là. T'as pas une batterie ou quelque chose du genre pour pouvoir stocker ? Glowstone. Ah, on pourrait. Bah, on en a une, mais elle est toute petite. Mais il faudrait qu'on lui mette les autocraft. Je vais couper 2 minutes à tout casser. Mais je peux couper là maintenant ? Tu me dis. Vas-y. De toute façon, moi j'ai terminé de mon côté. Il faut juste récupérer les presses. Oui, mais attends. J'espère que. Ouais. Qu'il y a assez de courant dans le truc, le temps. Voilà. Là. Là. Et voilà. Là. 2 panneaux solaires niveau 5. GG. Ils génèrent 512 chacun. Ah bien. Attention, c'est. Et ouais. Et ils 8 millions chacun. Attends. C'est les 5. Il y en a 2. Il n'y avait pas les quêtes dessus ? Non. Ah non, il n'a pas mis les quêtes sur les panneaux solaires. Non, sur les panneaux solaires, non. Ah, il les a pas mis. Il aurait pu nous en donner 4 gratos quand même. Hein. Oh. Ouais. Oh, franchement, carrément. Je suis déçu. Ensuite. Donc, moi, c'est bon. Il n'y a plus rien qui retourne dans le stockage, en tout cas. on produit 1024 RF Partic et on en cumule 16 millions. Ça devrait être bon moment pour passer la nuit. Je pense que ça devrait. Pour un début, ça devrait aller. Ensuite, la radio. Mais là. Pour les suivants, ça sera l'autocraft d'apply. Hein, parce que ça devient compliqué. Oh, c'est facile. C'est facile, vas-y. Tu refais les 2 niveaux 5 qu'il faut pour faire le niveau 6. C'est facile. Je regarde, vas-y. Par contre, ils ne sont pas alimentés, j'ai l'impression. Oui, non mais c'est. Les versions bêta, je crois que c'est la fin. La prochaine, c'est la 7.0.12, ouais. C'est la dernière, ouais, tout ouais. À fait. Ouais, il me semble que c'est ce qu'il avait dit, ouais. Oh. J'ai l'impression qu'il n'est pas. Ah non, il n'est pas alimenté. Pourquoi il n'est pas alimenté comme ça ? T'as mis quoi ? Ah oui, c'est ça. Ah oui, de l'interface derrière l'isole. Ouais, ok. Okay, on va faire ça comme ça. J'ai plus de cap déjà, t'es sérieux. Oh, pareil, ça, autocraft, hein. Pour le prochain truc, c'est ça. Hein. Et pour l'autocraft, il faut les moléculaires assembleurs. Le pattern encodeur. Beaucoup de choses encore. Et le CPU à la mémoire aussi.
Oui, 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 non, mais c'est pas encore fini tout ça. Non. Un pattern, ouais. Oh. Oh, j'arrive pas à repasser. Ah, hop là. Hein, mais elle est où la grille de craft là ? On peut pas crafter. Hein ? C'est ah, le ouais. Terminal de storage ça ? Ah oui. Tiens. Bah si, c'est le crafting terminal. Bah elle est où la table de craft ? Et là, crafting terminal. Je la vois pas moi, j'ai que le. Je vois que le où ça ? Bah non, en bas, en dessous, en bas. En bas bah non, quoi ? Quand je bouffe celui en bas, j'ai pas la table de craft. Voilà. Il y a pas de table de craft ici. Ouais, non. Et là, vas-y, coupe et rouvre. Non ? Non ? Ah, ah si, je voilà, vais... je l'ai maintenant. Ah oui, ça y est. Ah voilà. J'ai la table de craft qui apparaît en dessous. Oui, je sais pas, ça doit être le security terminal, je pense, qui fait ça. Tu sais que normalement, t'es pas obligé de mettre les caps, tu peux les coller directement sur le... Bah j'ai essayé de les coller, mais il me les a mis à l'envers. Comment ça, il te les met à l'envers ? Tiens, tu vois ? Regarde. Il colle à l'envers. Ah, c'est pratique un terminal à l'envers. L'écran tourné vers le mur, moi je vois pas grand chose. Ouais, c'est bizarre. Ah, tu l'as fait. En sneakant. Bah, en sneakant. Non, mais tu le fais en sneakant. Ah, parce oui, que quand tu sneakes pas, en fait, il t'ouvre l'interface du contrôleur qui est derrière. Donc c'est pour ça que t'es obligé de mettre le câble. Par contre, il n'y a plus d'énergie. Bah, ça, c'est pas normal par contre. Il n'y a plus d'énergie. Boss, il n'y a plus d'énergie. Alors, qui a coupé les fils ? Hein ? Responsable énergie. Allô ? Qui a coupé les fils ? Hein ? Responsable énergie, on est où ? Moi je suis responsable de la production, pas du transport. Hein. Oh là 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 là, on peut pas compter sur les autres. Oh putain. Oui, mais j'ai retiré les panneaux et puis je les ai remis, donc il faut redonner un coup de comment de clé. Il a oublié de mettre, oh, il a oublié d'extraire l'énergie des panneaux. Oh là là. Ouais, mais j'ai pas la clé. Oh là là là. Il a pas la clé. Oh là là. Sors, prends la clé, prends la clé. Elle est où la clé ? On n'en a pas. Elle est où la clé de Pipez ? C'est moi qui l'ai. Ah bah voilà, mais c'est la mienne. Hein, c'est ma vas-y, mienne. C'est bah ma vas-y, mienne. Bah vas-y, vas-y. Ah bah vas-y. 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 Ah bah oh là là. Non, mais... Pour les viewers, ça devait être du gros n'importe quoi. Ils doivent se dire, mais c'est pas possible. Tiens, c'est voilà, moi comme j'ai ma mienne maintenant. Comme d'hab. Tout le monde s'engueule. Voilà, c'est fait, Calypso, c'est tout. Je t'ai dit que je venais de le faire. Et il gueule en plus derrière, et c'est lui qui le fait. Non, mais sans déconner. Faut les mute, si vous voulez. Mais le temps qu'il arrive, je me suis fait la clé, voilà. Oh, pas d'énergie, pas trop tôt. Merde, quoi. N'importe quelle clé fonctionne sauf la clé de la maison. Ah. Voilà. Voilà. Okay. Bah, du coup, on peut peut-être tranquillement commencer à transférer, non ? Ouais. C'est trop bizarre. Du coup, faut réapprocher à nouveau. Ah, ça tire 190 RFRT, hein ? Là. On est. Non, 376. Non. Ah ouais, quand même ? Ouais, c'est quasiment 400 RF particules. Ah, moins 125, là, il s'est calmé un peu quand même. Bah, en fait, il y a un peu de stockage dans les chaque contrôleur, donc c'est pour ça que ça tirait pas mal. Mais là, une fois que les batteries sont pleines. Pardon. Ouais, mais les batteries des panneaux solaires sont loin d'être pleines, elles sont même pas à moitié. Ah bah, ça, on va les remplir au fur et à mesure. Hein. Attends, c'est, là, il y a la nuit qui est en train de tomber en plus. Ah, bah, il y aura beaucoup moins d'électricité. Là. Alors, je vais la passer directement comme ça. On a des acornes là-dedans, on va peut-être éviter de les mettre dedans. Des sacs d'acornes. Okay. Hein les glands. Hein ah disons. Faire de la poudre. Pour faire la fête. Faire de la poudre de glands. Tu veux la poudre ? Bah ouais. Le gland. Pour faire la fête. Chez moi en magnette, tiens. Merci. C'est quoi ça ensuite hein, c'est une Crawl of Cure 3. Vos alliés proches vont bénéficier de l'effet magique. Non, c'est dedans. Hop là. Ah, oh, sushi. Ouais. J'aime bien sushi. Anthracite. Oula, il y a plein d'anthracites là-dedans. C'est quoi l'anthracite déjà ? C'est le charbon, non ?
Oui, bah, l'anthracite, c'est du charbon. Charbon, oui. Des trucs, hein. On n'avait pas un générateur qui tourne. C'est quoi? Ah, y'a. Hop là. Ah, ça fera de la place en plus. Ensuite, de l'encre antique. La charte, ça c'est mon blitz mode séparé. Les œufs, on peut mettre. Ok, elle est pas en toc. L'échelle, c'est pareil, on peut. Ça aussi. Ça, pareil. Ça, faut faire cramer ça. Je vais mettre un coffre à côté. Là, un, du miroir. Un barrel peut-être. Un bloc upgrade. Tout ce qu'on mettra pas dedans. Du Skystone, je peux le mettre dedans ? Skystone, tu peux le mettre ici. Là, dans le dock en dessous. Okay. Ouais. T'en as déjà. Voilà. Pourquoi ça c'est là? T'es parti au mon fixe crystal. Ah, je sais pas. Mais j'avais... moi j'utilise pas. Hop. Hop. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Ça se processe automatiquement? Ah oui! Ah merde! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Une bêtise. Le fixe crystal se processe automatiquement en poudre dans un Advanced Inscriber. On va pas le mettre dans le stockage tout de suite. On va se calmer. Oui, mais non, contre, les inscribeurs, dit, les inscribeurs, il faudra les passer par le moléculaire assemblé. Non, pas le moléculaire. Le... Il y a un bloc à mettre entre les deux. Hein, pour lui dire oui, de faire les tâches quand tu en as besoin. Oui, sauf que là, il les a directement insérés dans l'inscriber. Ouais, il y a une insertion automatique. Par contre, comment ça se fait Disable configuration de pattern based on current history item. Ah, faut peut-être lui mettre un pattern alors avant pour le, justement ouais, le bloquer. Pour le bloquer, sinon. Et s'il commence à nous crafter tout n'importe quoi, non, ça va pas non, le faire. C'est pas une bonne idée. Pour l'instant, j'ai mis dans le coffre, on verra en temps voulu. Arcane Crystal Block, ça, on peut le mettre dans un drawer. C'est incroyable. Incroyable, incredible. Plastique. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé? Je sais plus. Ah. Voilà. J'ai oublié. J'ai une boîte aussi, forcément, c'est le bordel. Tant mes outils. Fonctionnel storage là. Il y a des upgrades d'efficacité dans les deux panneaux solaires. J'en ai mis deux sur chaque. Ouais. Sinon, il a un peu de mal à charger les batteries, j'ai l'impression. Andésite, pareil, l'andésite, ça va aller là-dedans. Hein. Voilà. Ah, avec ça. On n'en a pas des masses, donc on peut mettre ça, les briques, ça va aller là-dedans. Ça. Ah ouais. Les munitions de pneumatique craft, on va peut-être les mettre ailleurs, non? Je sais pas quelle place ça prend. On a 140. Bah, si on met dedans, tu vas voir, si je mets ça dedans, on a combien? 141? Ah oui. Ah bon, on peut tout mettre alors. Oui, tu peux tout mettre, hein, puisque c'est avec ces disquettes-là, maintenant, t'es plus limité à 63 items par disquette. Vraiment tout mettre. Ça veut dire qu'en tout, là, on a 192 000 blocs qui peuvent entrer à l'intérieur. Mm-hmm. Voilà. Ok. Donc, okay. Balance. Ah bah oui, écoute, hein. On va quand même faire un tri pour voir un peu ce qui peut rentrer dans les drawers, mais... Hop. Ah, faudra qu'on teste ça. Un armory cabinet de functional storage. Apparemment, tu peux mettre un stack complet d'armures différentes dans un seul bloc. Ah. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Parce que t'as pas d'interface quand tu l'ouvres. Je sais pas non plus, parce que j'ai déjà oublié le nom que tu m'as dit et je l'avais, c'est la première fois que je l'entends. Armory cabinet. Armory cabinet, ah. L'armoire pour armure, quoi. Ouais. C'est ça.
Il a pas mis les disquettes. Ah mais si, attends, il y a des disquettes encore au-dessus. D'AE addition. Puisque je vois une 1024. C'est quoi l'interface que vous avez mis derrière les inscribeurs? Je sais pas. Un storage bus. Ah ouais. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Un storage bus qui est lui qui permet effectivement donc de connecter Applied aux Advanced Inscribers. Et en plus, ouais, ils font l'insertion et l'extraction automatique. Et j'ai vu qu'en plus, tu peux changer. Ou ils font l'insertion, ou ils font les deux. Tu peux lui dire lequel tu veux. Le molécular assembleur, ça c'est le con, la table de craft. S'embêter la vie, hein. Ça, on va quasiment tout mettre dedans. Hein. Ça, c'est plus belle. Ça va aller là-haut, ça c'est la mouche. Ou même les gemmes. Les gemmes aussi, on peut les mettre dedans. On peut mettre les gemmes dedans. On s'emmerde plus. Si on a autant de place que ça, ouais, on s'embête plus. Je vais chercher alors. Hop. La nourriture qu'on va mettre ça dans la table. Mais la table, en plus, on va pouvoir la relier à Applied. Oui, j'ai vu un truc là, comment ça s'appelait. J'ai vu un truc... AE Cooking, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est un nouveau truc qui vient de rajouter, enfin, qui était rajouté sur la .10, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas si on l'a déjà maintenant ou si c'est la prochaine version. Non, il y est déjà, il me semble que je l'ai vu tantôt. Ah, attends, fais voir un peu. AE2. Non, c'est pas là. Ah. Un port bus, qu'est-ce qu'il manque? Vous me savez que ça va faire la liaison entre Applied et un stockage, par exemple un drawer. Oui, tout à fait. Le storage bus, ouais. Oui. Le storage bus, en fait, il est là pour connecter un conteneur extérieur, en fait. Tu as différentes sortes. T'as le storage bus qui, lui, va permettre de connecter, d'insérer, d'extraire, comme un drawer, par exemple. Tu as les import bus qui eux ne font que l'importation et les export bus qui ne font qu'exporter. Oui, mais pour les inscribeurs, il faut intercaler. C'est pas la ME interface ou un truc ainsi. ME interface, je pense. Ah, c'est le storage bus, non? Non, parce que tu dois lui mettre une interface et dedans tu dois lui mettre les crafts que tu veux. Que tu veux que l'inscribeur fasse. Eh ben, tu as les parties. C'est vite qu'il t'envoie tout dans le truc. Et t'as les partitions dedans, t'as un stockage de partitions. Et un stockage de partitions dedans, c'est pas ça? Bon, je me plante. Non, c'est pas ça. Ah. C'est la même interface qu'on utilise avec les moléculaires assembleurs. Ah, attends. C'est l'AME interface, si mes souvenirs. L'AME interface, ok. Ah, c'est peut-être moi qui me plante alors. Attends, on va aller voir. Hein. Hop. Ouais, non, il n'y a pas ce qu'il faut. Il faut du fer, il faut les formations et annihilation. Oula, ah oui, il commence déjà à mettre beaucoup de choses dedans. Je voulais faire un import bus, on fait directement sur le bloc. On arrive tout le temps si on pouvait l'extraire. Ah ouais. Il est parti où mon truc? Oh, il est parti dedans. D'accord. Mais ah, qu'est-ce que je te demande? Tac. Ah ben, c'est ce que j'allais mettre dedans. Allez, à moi. Non mais où? Paf. Ah, donc un interface. Là. Là, t'as la version plus petite. Donc tu penses que c'est vraiment l'interface qu'il faut mettre derrière? Ouais. Intercale là.
à la place du, ouais, pour tirer le... Ah, par contre, j'ai récupéré les... Magnète. J'ai pas de magnète. Ouais, ah, mais je viens de te les remettre. C'est pas comme ça qu'on pose un câble, Balou. Mais je te les rends. Oh. Ouais, oui, voilà. Et ici, tu lui mets les... Ah, ah oui. Les crafts. Attends, okay. Il faut ouais, les... Je me suis planté, alors. Il okay. faut le pattern... Enfin, il faut faire les patterns craft. Moi, je me suis planté. Ok. Je retiens jamais les noms. Ah, oh, 6 interfaces. Oh là 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 là. Merci, Mel. C'est vrai qu'il peut être gentil quand il veut. Quand il veut. Mais quand il veut. Quand il veut. Mais quand il veut. Mais il faut faire la part. Alors c'est chiant à voir, hein, mais bon, après c'est vrai qu'au niveau des quêtes, il nous récompense bien quand même. Donc ouais. On peut les retirer ça. Voilà, c'est ça que je veux. Alors c'est ça, tac tac. Il me faut les câbles. Ah, j'avais oublié les interfaces. Oh, ça va être chiant, ça va être... Oui, par contre, sur le contrôleur des drawers, là, tu mets un import bus. Donc, je crois que c'est un storage. Un storage bus. Ou un storage bus, plutôt, ouais. Et là, normalement, si tu l'as mis, on doit voir tout ce qu'il y a dans les... Priority, non, assertion, ailleurs... Oh, mais elle est prête à les 0, alors, non? Alors, normalement, tu es censé avoir... Si tu fais sort ascending, tu fais number of item descending, là tu les vois. Redstone, zinc, voilà. J'ai les drawers là, c'est bon. Là il y a les drawers maintenant. Ah, ça, parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au deuxième ici. Là. Oh, pardon. Par contre, comment on lui dit qu'il est merde avec GUI contre... Comment il a dit qu'il est synchronisé avec GUI? Ah, le synchroniser avec GUI. Attends, c'est faut que je cherche. UGUI. Ah, voilà, terminal settings. Ok, c'est la clé. Oui. Mais je crois que c'est chaque joueur différent, je pense, non? Ah, par contre, il t'a enlevé la barre du haut. Et bien, par contre, il faut que tu ailles vraiment dans GUI. Et là, tu tapes dedans, il le filtre en même temps. C'est terrible. Ouais. J'adore. Ah, c'est changé ça alors, parce qu'avant, il gardait les deux. Il gardait les deux, ouais. Avant, ouais. Mais c'est à chaque joueur ses settings. Parce que moi, je l'ai toujours en normal. Là. Ah, bah ça, c'est cool, parce qu'avant, il fallait faire un terminal différent, il me semble. Ouais, non. Ah oui, non, tu peux utiliser AE ou JEI. Et le dernier, tu as Sync, White, JEI, Stretch. Et là, tu as les deux alors. Et... Hein? Attends. Hein? Ouais, c'est ça, tu as les deux. Tout ça? Attends, quand tu ouvres le terminal, ouais. Tu vas à gauche dans Terminal Setting. Ouais. Tu as la petite interface. Tu vois le Search Setting. Tu dois le laisser en Use AE. Ouais. Et le tout dernier en bas, tu sélectionnes Sync, White, GUI. Synchroniser avec GUI, ok. Voilà. Et là maintenant, okay. Quand tu vas dans le terminal, ah oui. Il synchronise les deux. Que tu tapes dans l'un ou dans l'autre, t'as les deux. Je préfère ça avec les deux, tu vois. Je préfère les deux, moi, je trouve. Voilà. Bah oui, ça préfère. Mais je vois que les settings sont différents pour chaque joueur. Parce que moi, j'ai pris le petit stockage. Et Edgy aussi. Et Dalphinus, il a encore c'est le grand, lui. Moi, c'est le grand. Moi, j'en ai pas le grand, ça prend trop de place. Ouais, c'est trop. Il faut que je voie moi ce qu'il y a dedans. Plus c'est grand, mieux c'est. Ah, on se craint. Un problème Non, c'est pas vrai. Pas plus c'est grand, mieux c'est. Un problème on a plus de fixe cristal. Par contre, c'est la qualité, monsieur. La qualitat. C'est la Dutch qualitat ou pas? Qualitat, ouais. Attends, ça, je peux. Hop, hop, hop. Hop, hop. Oh, mais on est bête! Tu es bête! Parle pour toi! Le flux cristal! Oui! Mais nous, on n'est pas bêtes! Il se fait dans un mechanical mixer de Create. Oh, ah, je l'avais pas vu, lui! Non, mais non, on est con! Je l'avais pas vu, lui! Bah, moi non plus! Ah, punaise! De l'eau, redstone, chargé Certus Quartz, Nether Quartz. Oui, bah là, c'est la recette traditionnelle, sauf que bah. Voilà. Ouais. Oh. Sauf oh que là c'est bête. Là oh là là là. Mais t'es bête. On est bête.
Non, c'est toi qui es bête. Aïe. Aïe. C'est toi voilà. Qui es bête. Je viens pas croquer quelqu'un, moi. Hein. Attention. Ouais. Aïe. Ah ben là, tu t'enflammes. Il y a encore le feu au cul. Oh, c'est pas possible. Décidément. Ah non. Moi, du coup, tout le... Tout ouais, hein. T'hésites, là. Voilà. Donc, il faut faire le whisk. Oh, un peu plus. On n'a pas d'iron plate. Allô. Comment ça, on en a pas. Iron plate, on en a plus. Ah, attends. Ça, tu veux ça. Encore des ME interface. Je crois que j'en ai envoyé. Ah ben oui, il m'en a donné 6 encore aussi. Oui, oui, j'en ai envoyé. Voilà, je me casse. Tant pis. Hein okay. Pourquoi qu'il se casse, le monsieur? Parce que je vais faire des plates. Ah. C'est un calypso. Un bonbon. Oui. Un bonbon. Oh, merci. C'est un bonbon d'XP. J'espère que ça va tenir, hein, t'as pas de nos solaires, parce que là, j'envoie moins 500 RF d'un coup. Si t'as envie. C'est de l'XP. Bah non. Ah oui, t'es, oui, t'es, oui, c'est avec l'XP. Si, regarde. C'est moi, ça sent paf, paf, paf. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Bah, y a deux panneaux solaires, là, pour le moment. Faut en refaire deux pour passer au niveau supérieur. Bah, autocraft, hein. Ouais, ouais, bah, pas forcément autocraft, mais avec Apply, ça serait... Quand tout sera dedans, ça sera plus facile. Oui, bah, c'est pour ça que là, on va tout mettre dedans. Tout. Tout. On va mettre tout dans Applied. Voilà. On peut pas mettre un pipe entre le... Ça serait pratique, hein. Tu veux piper? Le modular storage. Ouais. Mais non, c'est pas possible. Balou, enfin... Comment ça? Dis, avec un import-bus. Pourquoi tu peux pas? Bah, il faut un import-bus, mais tu peux pas avec un item pipe. Tu mets un import-bus directement. Non, j'allais dire un item pipe entre le... Oui, entre le ME Drive et le... Non, l'interface de crafting. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, essaye. Bon. Allez, pour la science, on le fait. Attention, vous êtes prêts? Allez. Oh. Attention, ça se connecte pas. Voilà. Oh, ah, par contre, ça se connecte ici. Non, hein, non c'est du grain, donc... Et si tu sors tout, il envoie tout dedans. Ça m'étonnerait, mais enfin bon. Non, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Mais par contre, l'item pipe se connecte quand même sur le... Ouais, c'est bizarre, ça, quand même. Il y aurait sur des trucs à voir un peu. Ah, Redstone. Oh, Redstone. Et là. Bon, un peu. Attends, on va essayer quelque chose. Qu'est-ce qu'il... Oh là là. Qui va essayer? Sur le ME Drive directement. Comme elle m'a balancé ça à travers. Oh, regarde, j'ai l'impression d'être en prison dans une cellule, elle m'a balancé une orange. Du coup, tentez-moi là. C'est bon. Putain, je suis sympa, je te rends des trucs. Et je... Mais oh. Ça se vide pas. 216 oh, sur 300. Mais pourquoi j'avance toute seule? Puis là, moi, je cours dans le truc en avançant toute seule. Bon, bah, ça m'aille pas. Bah, je sais pas quel Calypso. Hein. Bah, je sais pas non plus. Non, mais je pense que. Non, mais faut vraiment n'importe bus. Hein. Ouais, il faut l'import bus. Par contre, sur les contrôleurs drawers, il faut mettre une priorité parce que sinon, il va balancer. J'arrive à passer, moi. Il risque de balancer. Alors, moi, j'ai mis en. Alors, regarde bien ce qui est marqué sur le... Il manque un câble, là. Oui, j'en ai plus. Et il me faut les fixes redstone, je n'arrête pas de le dire. Par contre, regarde bien ce qui est marqué dans la priorité. Il te dit que la priorité en premier, c'est la plus haute pour l'insertion, et l'extraction, c'est la plus basse. Ah bah non, attends, il faut mettre mieux alors. Mais tu t'en fous pour l'extraction, s'il n'y a que dans le... C'est voilà. La priorité à l'insertion, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Voilà, mille et mille. Pourquoi vous gardez autant de couteaux? Parce que si on veut lancer des couteaux, tu sais. Voilà. Okay. Si on veut faire les jeux du cirque. Ouais. D'accord. On va s'entraîner. Ok. Cogwheel, crank. Ah, il n'y a pas de crank. Et où la crank? Eh? Et puis la crank. La crank? Qui parle de crank? Ah, la crank.
C'est parce que j'ai une crank. La manivelle. Oh. La crank. Une crank, ça s'appelle. Excuse-moi, moi je joue en anglais. Oh, très cher. Moi je joue en anglais, je suis une cliche. Allez, je veux bien tourner. Bien tourner la manivelle. Vas-y, il n'y a pas d'eau. Oh, on va faire du gâteau. Ouais. Ah, on peut faire une usine à chocolat en plus, Frédéric. Oh, tourner la manivelle aussi, moi. Oui, tourne la manivelle. Tu cliques droit en visant la manivelle. Ça. Tu cliques droit en tournant la manivelle, ça marche pas. Oh, ouais. Mais si, ça sert à rien. Bah, si, tu cliques droit sur la manivelle. Quoi, Certus, il est là. Certus, il me faut dans le chargeur. Aïe, je l'ai pris dans le nez. Le chargeur qui est... Aïe, je l'ai pris dans le nez, ça fait mal. Bah tu vas recule. Faut viser. J'ai trop pris. Enfin, Calypso, faut viser un peu. Oui, bon bah... Ils sont bien palichons, tes cœurs, c'est vrai. Ah, ils sont tout pâles. Ils sont orange, mes cœurs. Non, ils sont fadasses. Bah, merci. Ils sont fadasses. Ils manquent de T'as sang. T'as les cœurs fadasses, ok. Ils sont fadasses. Bah, écoute, si, c'est je vrai. Fais ce que je veux, hein. Ah, attends, enlève ton t-shirt. Oui, attends, j'enlève mon t-shirt. Hein. Oh, bah, oui. Non, c'est pareil. Oh, regarde. Non, ils sont sur la culotte. Oh, non, non, j'enlève pas la culotte, je suis désolée. Non, je refuse. Non, ils sont sur la ceinture, là, non. Ah, non, mais c'est vrai, ils sont fades. Pourquoi ils sont fades comme ça? Je sais pas. C'est pas normal. Mais effectivement, ils sont tout fades. Attends, j'enlève ça. Attends. Regarde. Non, si j'enlève mon... Moi, tu vois, faut que j'enlève mon t-shirt, on les voit. Ils sont pas fades. Ouais. Ah, là, ils sont bien. Bah, non. Si, c'est du flux de quartz. Regarde. Ah, ouais. C'est le vert du pantalon en diamant qui les. Ça fait dégueulasse. Ouais. Oh. Ah, le dégoût. Ah non. Des jolis cœurs bien rouges. On se retrouve avec des cœurs fadas, quoi. Ah. Si j'ai gagné. Y'a plus d'eau. Bah, faut en mettre. Ah. Tu veux, on crache dedans? On va faire pipi. Attends, on va faire pipi dedans. C'est de l'eau que j'avais demandé. Hein. Bah, il y en a un petit peu. Ah, y'en a un petit peu, oui, voilà. Mais il y a trop de rhum chez Balou, donc ça va y aller pas. Ouais, non. Oh non, non, non. Le rhum, il rentre, mais il ressort plus. Bah, si, il ressort forcément à un moment donné. Hein. Non. Tout ce qui rentre finit par sortir à un moment donné. Non. Chez moi, pas chez moi. Je ne peux pas faire grand-chose contre ça. Voilà. C'est ce que je disais quand je devais accoucher. Ce qui rentre doit sortir. Aïe, pourquoi je prends des dégâts moi? Ah. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, bah mais non, faut peut-être que je mange par moment. J'ai plus de gigot du tout. Oh, ça fait du bon. Ok. Alors, Z, il joue bien, toujours à 3 gigots. Bah, moi, c'est 0, voilà. Mais t'es pas obligé de faire comme lui. Je fais pas comme lui, moi c'est zéro. Mais Mais pourquoi qu'il casse tout? Ah oui, d'accord. Elle va mettre un moteur. Les panneaux, ils vont finir par plus suffire. Oh bah. On pètera. Il y avait longtemps, tiens. Voilà. Il va décoller ton truc. Ouais. T'es rapide, non? Ah ouais, là. Oh. Oh, blou blou blou. Oh, il y en a partout dedans. Le bruit que ça fait en plus. Blou blou blou. Voilà. Si on met un œuf dedans, il va le monter en neige. Pas possible. Oh. Oh.
Ah purée. Je m'en lasse pas là. Pile poil au bon moment en plus. Magnifique. Bah du coup ça va peut-être pouvoir le garder quelque part à l'intérieur, comme ça ça nous fera les fuse cristal ouais. À l'infini quand bah, on voudra. On pourra même essayer de l'automatiser via Apply. Normalement il y a moyen. Ah oui, câbles. On peut pas aller dedans se faire mixer. Je sais pas. Non, j'y arrive pas. Je rentre pas dedans. Non, mais ça aurait été drôle. Bah à quoi je me suis fait cruncher. Crunch. Bah oui. Blanc pattern. Mixer, cruncher. Voilà. Et normalement tu devras avoir le restant du contrôleur. Celui-là. C'est pas ça que je veux, moi. Par exemple, tu devras avoir les bouquins qui devraient apparaître. On les a. Voilà, nickel. Là, il manque juste celui-là, l'autre côté. Il me dit qu'il y a rien. Alors, tac. Cette part est un peu chiante quand même. Ah, je suis en train de connecter en fait Applied au contrôleur. Ah oui, d'accord. Au drawer. Ah oui. Donc là, c'est bon. Donc normalement, tu devrais avoir le bois, tu devrais avoir les pommes, enfin, tout ce qu'il y a. Je viens de voir le bois, ouais. Voilà. Ensuite, et ça dessous, c'est quoi? Chargeur. Le chargeur, c'est ce qui nous permet de transformer le Certus Quartz en chargé de Certus Quartz. D'accord. Je vois pas Le chargé de Certus Quartz nous permet d'avoir les Flux Crystal. D'accord. C'est la méthode la plus simple pour avoir ces blocs-là. C'est bizarre ça. Je vois pas la Glowstone dedans. Alors qu'elle est ici dans le drawer. Oui, effectivement, elle y est pas. Fais voir un peu. Bizarre. T'as pas un problème de link avec le contrôleur? Là, il est dedans. Il est bien quand il est bien là. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a à côté que tu vois? La Redstone, tu la vois? Attends. Je reviens dedans. 51 ? Oui, non, attends, c'est un problème. 51 ? Non, 51, c'est pas possible. Non, non, 14 000. Non, non. Non, non, il devrait. Ça, c'est ce qu'il y a dans une des disquettes, ça. D'accord. Mais je vois 414 blocs. Oui. De redstone. Alors, attends. Si je fais ça, t'en vois combien là ? 350 ? Ouais. Ouais. Ouais, 350. Bah, il voit que le bloc que le plus gros. Ouais. Ah, ça c'est chiant ça. Ça va être casse-pied ça par contre. On voit 420 là ? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va poser des problèmes pour les crafts. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, je comprends. Ah, punaise, attends, je crois voir. Attends, je vais voir. Ah, là, je vois tout. C'est bon. Tu vois tout ? Okay, je vois tout. J'ai compris. C'était filtré. Ah, d'accord. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Ah. À un moment, ça doit être bon. Là. Oh ouais. Je vois pas du tout de qui vous parlez. Hein. Bah, Clampin pas là pourtant. Bah non. Voilà.
C'est tout à fait ça. Oh, il est typique là, celui-là. Suite. On note les thèmes maintenant. Alors, on va voir si ça marche ou pas. Ça marche. Il est content. Ça descend. Il prend pas stack par stack, hein. Il n'y a pas de speed card encore à l'intérieur. Attends, je pense ça. Ouais, mais bon. Ça sera quand même mieux que de tout prendre un par un, quoi. Oui, tout à fait. Du coup, bah là, il faut aller sur le... merde, le pattern. Le pattern, bah, c'est ce que j'étais en train de faire, mais il faut du... Quartz glace. Ah ben voilà. Hop. Attends, quartz glace. Tac, 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 tac. Et hop, deux blancs patterns, quatre blancs patterns. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est le molecular assembleur, c'est ça? Ça dépend ce que tu veux faire en premier. Ah, autocraft. Alors attends, autocraft, il fallait dans le pattern provider avant. C'est normal. Combien de multiples molecular assembleurs différents? Ah oui, d'accord, ça a changé. Donc c'est un molecular assembleur des pattern providers, non? Ça, on fait comme ça. Attends, parce que... Oula, ça a changé, il y a des trucs en plus, là. Pattern provider, donc, ça c'est bon. Ça, c'est un processing. Donc ça, si je fais ça, là. Attends, molecular assembler. Ah, j'arrive à passer, moi, ici. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est... Ça. Si je le mets... Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il m'en a fait? Ah! Ah oh putain, je l'ai mal mis, j'ai mis pas mis au bon endroit. Comme ça, toi. Ça, je vais en avoir besoin. Alors, allez, t'en es où toi? Viens ici. Non, c'est pas ça. C'est pas la ME interface qui doit aller là, alors? Ça? Qu'est-ce que c'est? Ben non, j'arrive pas à mettre le pattern dans l'interface. Si je la mets dedans, elle repart dans le stockage. Un truc que je pige pas là. Bon, je me serais gouré. Il me semble que c'était ça quand même. Attends, je vais essayer quelque chose. Ça. C'est un monde de logique, il faut la ligne scraper logique press. Bah non, elle est là, on voit dedans. C'est... Il y a un truc que je pige pour là. Il a changé, le M interface est devenu le pattern provider. J'ai coupé apply. Oh, donc, c'est un pattern provider du coup. Compliqué pour moi. Cerveau de fille. Ah. Oh, moi je dirais pas que c'est un cerveau de fille, c'est juste qu'on n'arrive pas à suivre. Le pattern parce qu'on provider. Qu'on n'a pas commencé du départ, moi je pense. Ah oui, ME pattern provider. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait la play. Bah oui, c'est ça. Moi là je. Aussi, par contre, le pattern provider, tu peux le mettre. Ah oui, tu peux le mettre en petit. Ok. Voilà, mais je cherche pas non plus à comprendre parce que là. Ils m'ont perdu. Hein, ah oui, pattern, c'est là. Ah oui, d'accord. Trouvé. Ok. Moi, j'ai abandonné. Hein. Hop.
On va expliquer. Mais... Attends. Ah ben il avait mis un port. Attends. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà. Eh ben celui-là, maintenant, il fera du si. Attends. Si bah non, c'est tu vas. Bah attends. C'est pas bon, je le mets au mauvais endroit. Merci. Attends. Oh. J'enlève un autre bon. Pattern avec le bon. Pas. Dis. Attends, non, il y en a. Ah ben non, oui, c'est moi pas aussi, ma chérie. Voilà. Tiens, c'est bon. Non, bouge pas. Non, bouge parce que. Pas. Là, tu peux faire le logique circuit. Le logique, attends. Oui, là j'ai mis le pattern dessus. Logique. Attends, parce qu'il y en a. Ah non, ça c'est le printed logique. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, j'ai le craft maintenant. Attends, allez hop. Genre... Ah oui, par contre, il voudra pas me le faire parce qu'il n'y a pas le. Ah, pas de... le CPU ni la mémoire. Hein. Ah ouais. Ah oui, voilà, ah ouais. No crafting CPU. Oui, voilà. En fait, pour faire simple, si vous voulez, le pattern provider, donc ça a changé avec les versions d'Apply. Le ouais. pattern provider, en fait, c'est ce qui va nous permettre, avec des patterns, de lancer des autocrafts dans les machines. Ouais. Ah, attends, parce que. Déjà, bah, regarde. Explique-moi mais... ce que c'est que ce carré, ce rectangle. Donc, alors, ce rectangle, c'est oui, le rectangle d'Apply. En fait, Apply, c'est des ME contrôleurs, donc c'est le noyau du système. Chaque cube, chaque bloc, tu as des canaux de sortie. Tu as 8 canaux, 16 canaux, tout ça, qui peuvent être reliés à 8 machines, 16 machines, suivant la taille des câbles qui vont sortir. Plus le câble est gros, plus chacun des blocs que vous avez mis là peut avoir. Ouais. Sur chaque face, tu peux sortir. Voilà, des entrées, des sorties sur chaque face. D'accord. Okay. Donc là, on l'a fait gros parce qu'on avait envie, toi aussi. Donc, Oui, oui, bon, d'accord. Ensuite, nous, sachant qu'on a modifié le mode pour qu'on passe en channel infini. Donc, ça veut dire que les canaux, on s'en fout. Donc, un seul câble, si tu veux, tu peux mettre autant de machines dessus que tu veux, il n'y a aucun problème. Parce que normalement, les petits câbles comme ça sont limités à 8 machines. Ouais. Ouais. Donc, ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle des inscribeurs. Donc, ça, c'est de nous permettre c'est des machines d'Apply pour créer des composants qui vont être utiles par la suite. Donc, ça, on a lancé des autocrafts dessus. Et les autocrafts, en fait, c'est derrière. Tu as ce qu'on appelle des petits blocs qui s'appellent des patterns provider. On a le droit de cliquer dessus ou on va se faire engueuler? Oui, non, tu peux cliquer dessus. Tu fais un clic droit dessus. Droit dessus. Et là-dedans, par exemple, dans le pattern provider, dans l'interface, tu as un pattern avec déjà un autocraft de fait. Comme ça, on lui apprend comment faire l'autocraft là. Ouais, voilà. Donc là, on lui dit, par exemple, pour créer un printed logic circuit, il te faut un inscribeur logic press et un lago d'or. D'accord. Et comme il est relié à la machine, il va insérer le lingot d'or à l'intérieur. Et dès que c'est fini, le résultat est réinjecté automatiquement dans le système. Comment tu lui apprends? D'accord. Tu lui apprends en fait avec tu as ici un terminal qui permet d'encoder les patterns ici. Attends. Ici, 3, ici. 4. Attends. Voilà. Tu prends l'interface du dessus. Du dessus, ouais, là. Du dessus. Tu cliques dessus. Voilà, tu cliques droit dessus. Oui. Donc là, en fait, tu prends n'importe quel craft, que ce soit depuis JUI ou depuis ce qu'il y a déjà à l'intérieur du système. Tu prends n'importe quoi. Et tu cliques sur le bouton plus. Comme si tu allais le crafter. Le bouton plus. D'accord. De JUI. Tu prends, je sais pas, par exemple, les Iron Bar, pardon, que tu as dans l'interface. Tu regardes la recette que c'est dans JUI. Tu as le petit plus pour le mettre dedans. Ah oui. Il est où, le petit plus? Je vois pas. Quand tu cliques dans JUI. Ah oui, d'accord. Donc tu cliques dessus, et là tu vois, en fait, ça s'est mis dans le terminal de craft. Mais en fait, c'est pas un terminal de craft, il va pas crafter. Là, il va insérer la recette dans le pattern, pour qu'on puisse le réutiliser à côté. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'on lui apprend. D'accord. On lui apprend comment faire les crafts. De base, Applied ne sait rien faire. Il sait absolument rien faire. Il a les ressources, il sait rien faire. Et au fur et à mesure que tu as besoin d'automatiser les choses, tu lui apprends les crafts par les patterns, et les patterns, tu les mets soit dans des molécules assembleurs, parce que c'est des crafts style table de craft, tu vois, t'as pas besoin de rien d'autre, ou tu peux les mettre derrière les machines pour que la machine derrière puisse la crafter. Ouais. D'accord. Et le carré là, ça veut dire qui ressemble à une table de craft là, c'est quoi? Ça, c'est le crafting terminal. C'est une vraie table de craft avec un accédant à tout. Mais ça veut dire que sur chaque bloc là, sur chaque inscribeur, t'as 9. T'as 9 patterns, donc t'as 9 recettes que tu peux lui apprendre. Là, on est limité à 9 fois 5 patterns, c'est ça? Alors, t'es limité, attention qu'il faut que tu prennes en compte que la machine est capable de faire. Voilà. Quoi? Là, en fait, si tu veux, sur la machine, tu as déjà la presse à l'intérieur. Là,
sur ces machines-là. Vous avez les, dans chaque machine, vous avez une presse qui est déjà dedans, sauf la dernière, parce que la dernière, effectivement, on va s'en servir pour faire autre chose. D'accord. Donc, dans chaque machine, la presse, elle ne sert qu'une seule fois pour un seul craft. Donc, derrière, on mettra un seul pattern. OK. Voilà. Il n'y a que dans celle-là, la toute dernière, où en fait, on va faire l'étape finale. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on a fini certains crafts, là, on va lui apprendre d'autres crafts avec. Et on va les insérer dans celui-là. Et donc, ça élimine les anciens crafts que tu lui as pris, alors ? Non, parce que c'est des crafts au-dessus. En fait, on va se servir des premiers crafts ici qui sont faits avec les presses pour utiliser dans deux autres crafts qui seront dans le dernier inscribeur. Où là, il n'y en a pas. D'accord. Si tu prends, par exemple, tu tapes presse... non, peut-être pas presse. Comment ça s'appelle ? Le calculation ? Le calculation, oui. Voilà. Tu tapes calculation dans le GUI et tu prends le troisième. C'est le calculation processor. Ouais. Donc, tu cliques dessus pour voir la recette. Donc, tu vois qu'il te faut, dans un inscriber, il te faut un printed calculation circuit, de la redstone dust et une printed silicone. Ouais. Donc, ça, on va le mettre dans le dernier inscriber, parce que toi, il n'y a pas la presse. Par contre, pour faire le printed calculation circuit, si tu fais un clic gauche dessus, tu vois que c'est un Certus Quartz Crystal avec une presse. Là, c'est l'inscriber calculation presse. Ouais. Donc, ça, on le mettra dans un autre inscriber. D'accord. Oh là là. Le but final pour nous, si tu veux, c'est le processeur. Nous, ce qu'on veut, c'est le processeur. Parce que c'est le processeur qui va être utilisé ailleurs. Mais pour ça, tu as le premier craft, donc la presse, enfin les trois morceaux. Et pour faire le premier morceau, il te faut la presse plus le Certus Quartz. Et ça, on veut lui apprendre à Apply. Il fera les deux, l'un après l'autre. D'accord. Apply, si tu veux, comme Refined, hein, est capable de faire les crafts dans les crafts, dans les crafts, dans les crafts, ainsi de suite. Il est capable de les faire. Là, par contre, il faut qu'on lui rajoute un CPU et de la mémoire. Parce que pour le moment, il refuse de faire le craft lui-même. C'est normal. Il n'a pas de CPU ni de mémoire pour le faire. Il n'a pas de processeur pour crafter, en fait. C'est les processeurs de craft, en fait, qui vont prendre les items, les envoyer aux beaux endroits, attendre que la machine fasse son effet, les récupérer, les réutiliser, ainsi de suite. Ouais. Mais pour ça, il nous faut encore quelques petites choses, mais ça arrive. En fait, tu te sers quand même de cette machine, des inscribeurs, pour des crafts, mais que tu ne vas pas faire sans arrêt, quoi. Alors si, on va se servir. Si. Bah non. C'est là, les processeurs que attends. Le processeur qu'on utilise, qu'on va faire avec, il est utilisé pour faire les cartes mémoire. Les disquettes. La disquette. Pour une disquette de 1K, il t'en faut un. Mais pour faire la disquette supérieure de 4K, il te faut 3 disquettes de 1K. Donc. Voilà. Après c'est 9. Après c'est 7. 80, oui, mais les disquettes, on monte jusqu'à 4000 ou 16000, je ne sais plus quoi. Donc, en réalité, le machin qu'il te faut au début, il t'en faut un nombre infini. Donc, c'est pour ça que leur autocraft... C'est ce que je dis. Les inscribeurs, ils vous servent pour faire des crafts en grosse quantité. Oui, c'est ça. Des crafts classiques qu'on va utiliser. Attention, les inscribeurs, c'est que pour crafter des items d'Applied. Ils ne servent qu'à ça. Hein. D'accord. Ok, d'accord. Oui. Après, pour crafter les trucs... Mais c'est vrai, parce que... En fait, je veux dire, si je veux faire des pots pour décorer, je vais pas me servir de ça, quoi. Voilà. C'est pas les inscribeurs. C'est juste la table de craft qui est ici devant. Oui, voilà. C'est pas des crafts que je vais lui apprendre à lui. Il en a rien à foutre. C'est ça. Mais si tu regardes... Si l'interface de craft, la crafting terminale maintenant, si tu l'ouvres, et tu tapes dans la recherche, c'est lequel que tu viens de mettre, le logique, hein. Donc, si tu tapes logique, par exemple, ou logis, L-O-G-I, tu vas voir apparaître le printed logic circuit. Ouais. Et il te met qu'il y en a 62 dedans, parce qu'il y en a déjà dedans. Oui. Regarde bien, je vais le retirer, regarde bien. Là, maintenant, tu l'as, craft. La machine n'en a plus. Donc, si tu cliques dessus, il va t'ouvrir une interface pour le crafter. D'accord. Tu sais mettre le nombre que tu veux. Ah oui. Et après, par contre, si tu fais next. Bah là, on revient sur du refine store, machin. Là. Du refine, c'est ça. Oui. Okay. Par contre, si tu fais next, bah là, il te mène au crafting CPU invalide. Donc ça, il faut encore. Non, mais en fait, ce que je comprenais pas, c'était l'utilisation, l'intérêt quoi, de ça. Tu vois. Ah, c'est juste pour faire les processeurs de cas besoin Applied. C'est pour quand il y a des gros crafts. C'est compris. D'accord. Par contre, effectivement... Merci pour les explications. De rien. Non, parce que des fois, c'est vrai,
comme vous connaissez, vous êtes en train de discuter entre vous, c'est pas du tout un reproche, hein, mais vous êtes en train de discuter entre vous pour construire la machine et tout ça, et alors moi j'étais là, ouais, bon. Ah, tu parles chinois, c'est pareil. Ok, Oui, mais en plus là, comme il y a un bloc qui a changé, avant on mettait des ME interface, et maintenant c'est le ME pattern machin là. Donc, Oui, le pattern provider, c'est vrai qu'il a changé. Le pattern provider, ouais. Par contre, j'ai modifié le craft parce qu'il demandait la presse. Et la merde. Et la presse, bah, elle est déjà dedans, donc on s'en fout un peu. Ah oui, bah c'est ce que j'allais te dire, il faut pas la mettre. Par contre, il faut pas la mettre parce que sinon il va s'obstiner à vouloir en rajouter. Non, mais c'est normal, Lila. Moi, je l'ai vu sur plein de modpacks à plein. Mais à part te dire que ce bloc, il est joli parce qu'il clignote dans tous les sens. Moi je l'aime mais bien, il est joli, mais voilà. Si tu... Ah, non, je me suis servi comme déco, moi, sur Ragna 5. Hein. C'est tout. Mais apply, si tu le prends, juste un contrôleur, la crafting terminal et le système de stockage, en réalité, c'est un énorme backpack. Oui, c'est d'accord. Ça. Voilà, si tu ne prends que ça. Bah, en fait, c'est en ce sens que Refine, il est vachement plus sympa et plus... pour moi, et je pense que pour Calypso, c'est Refine est plus simple. Et plus simple qu'Apply. C'est plus simple. Tu fais tes disques, voilà, puis après tu as accès à tout ce qui est dans l'ordinateur. C'est ça. Ouais, alors, voilà. Si tu veux le côté basique, effectivement, Refine est quand même vachement mieux qu'Apply. L'Apply, c'est vrai que le niveau des processeurs, il a besoin d'autres machines que n'a pas besoin Refine. Non, mais c'est normal, Lila. Ok. Mais après, niveau performance, tout ça, et j'ai niveau compris bug... que ça, moi, je m'en servirai jamais. Je vous le laisse. Démerdez-vous avec. Allez-y, construisez. Et c'est pas grave, allez-y. Oui, parce qu'on va. Voilà, c'est les prochains blocs. Ici, c'est le début de l'autocraft. C'est le début de l'autocraft. Il va y avoir beaucoup, beaucoup plus. Oui, mais il y a des tas de craft automatiques dedans. Quand tu dis les inscribeurs, c'est le début de l'autocraft. C'est l'autocraft pour votre bordel, là, vous faites. Pour Applied. C'est que pour Applied, ça, pour l'instant. Je vais prendre un autre. Moi, pour faire mes pots de fleurs, pour décorer. On va se servir d'autres blocs pour ça, c'est pas ça que tu te serviras. Oui, mais non, attends, pour faire tes pots de fleurs, il te faut des briques. Donc il faut cuire de la de l'argile. Clé. Ouais. Voilà, et ben on peut automatiser le truc, tu vas dans l'interface, tu cliques sur le pot, tu dis combien t'en veux, et automatiquement derrière le système va te cuire le machin, te le crafter et te donner les pots. Oui, mais grâce à votre bordel que vous avez mis derrière. Mais à autre chose, non, pas avec ça. Pas avec ceux-là. Donc, avec j'en d'autres... reviens à ce que j'ai déjà dit. Voilà, ça. Je m'en tamponne le coquillard. Voilà. Faites votre vie avec. Par contre, on te montrera les prochains. Les prochains, te montrera. Voilà. Les machines qu'on a mis là, on en a besoin pour construire Applied. Oui, d'accord. Mais Balou, on va être clair. Moi, je suis toute seule à devoir me démerder avec Applied. Je fais pas ce bordel-là. Oui, mais non, j'ai pris l'exemple du pot, mais tu peux avoir des trucs. Oui, tu peux avoir des crafts beaucoup plus compliqués. On vous montrera quand les autres y seront arrivés. Ce sera plus simple, je pense. Voilà, les trucs compliqués comme ça. Mais c'est tout simple, c'est logique. Oui, non mais. Non mais c'est logique dans ta tête. Ça fait combien de fois, Balou, que tu le fais ? J'ai pas dit c'est facile. Ça fait combien de fois, Balou, que tu le fais ? Oui, mais non, je te vois me regarder. Ah, ML, oui, merci pour les pattern providers. Oui. Ça fait combien de fois que vous le faites, ce système ? Mais quoi ? 3-4 fois. Ouais, bon, bah. Applied, ça fait... j'ai dû faire deux je fois. Je l'ai fait pour ce Ragnamode 5, ça suffit pour connaître le truc. Moi, je. Non, le 6, c'est Refine. Sur le 6, il y a... Bah si, non, il y a Apply aussi. Non, c'est Refine. Bon, je sais plus. C'est Refine sur le 6. J'ai fait sur Stoneblock 2 aussi. Et, On vous montrera de toute façon, quand tout le reste sera en place, on vous montrera, on vous expliquera comment coder vos propres patterns si vous voulez faire des crafts que vous avez besoin. Merci. Parce que tu vois, par exemple, tout ce qui est immersive, tout ce qui est create, si on a besoin de grosses quantités, on ne va pas les faire là-bas. On les fera en autocraft. Moi, je veux sortir de Ragna 7, je veux savoir faire ça toute seule. Et Calypso aussi. Ah oui. Ah ouais, mais de toute façon, on vous montrera. Ah. C'est... On vous montrera. Ok. Il faut juste nous laisser le temps de finir les trucs, parce que là, il nous manque juste quelques petits blocs, mais après, c'est bon. Ce sera tout fait en place. Pas fini encore. Non, mais je dis que je m'en tamponne le coquillard.
Mais je veux quand même savoir à quoi ça sert, les trucs. Quand même. Oui, oui, mais voilà, on prend profond. Mais ça sera plus simple à comprendre déjà qu'on aura tout le reste, je pense. Ça, moi, oui. Ah, c'est, de toute façon, les inscribeurs, faut se dire, c'est que pour Applied. C'est que pour Applied, c'est pour lui-même. Oui, c'est des machines pour lui-même. Crafter les blocs d'Applied. Ah, c'est pour ça, t'imagines, j'étais dans un flou total. Je me disais, attends, mais tu peux mettre que ça de craft dedans. Oui, mais on est obligé de passer par là, parce qu'il y a certains trucs à crafter. C'est des crafts dans les crafts, dans le craft, dans le craft. Il y en a 10 comme ça l'un derrière l'autre. Alors non, si on fait pas ça, mais je vais prendre un exemple. Le temps que j'ai mis pour faire les deux panneaux solaires qui sont sur le toit, il m'a fallu 15-20 minutes. Le tout automatisé dans Apply, je lui demande, je clique, dans les 2 minutes, il me les a sortis. Parce qu'il a tout automatisé derrière lui. Ah, il va les faire beaucoup plus vite que moi. Tout ce que vous trouvez comme craft champ, vous avez besoin en grosse quantité, je sais pas, les panneaux, tu vois, les poteaux ici d'ingénieur décor, vous me dites, vous en avez besoin de 50 stacks, on les met dans Applied, dans un pattern, et c'est Applied qui s'en occupe. Nous, on fera plus rien. C'est Applied qui s'en occupe, c'est son boulot. Tu lui dis, du moment que t'as un craft champ, il bosse. Voilà, il bosse. C'est ça où on fout Arcane à l'intérieur, et il le fait lui-même. Ah oui, voilà. Je ne vous entends plus. Fallait être là. Tant pis pour toi. Voilà. Il y a des fils sur la ligne. C'est des strings traînés encore partout. Bravo. Je suis en train de me demander si les panneaux solaires sont en train de tenir le coup d'ailleurs. Ah ouais, non, ils sont pleins. Donc ça va. Et on peut leur mettre des upgrades en plus. Donc. Comment il s'appelle? Je vote pour Arcane dedans, ça évitera les strings partout. Alors voilà, nickel. Ça. Ok, donc ces deux-là, ça c'est bon. En même temps, ça sera peut-être plus simple. Hein. Tu le mets, j'arrive, tu lui donnes tout le. Allez, toutes les ressources qu'il faut. Tu lui dis, il me faut 50 stacks. Et puis je me barre avec les ressources. Ouais, c'est une très bonne idée. Non, tu seras pas de barrer avec, tu seras enfermé. Oh merde, je le banquerai alors. C'est une merde sur moi, quoi. Donc, ok, donc ça c'est fait. Il me manque plus que maintenant à faire les processeurs. Et au moins, ça sera déjà fait. Ouais. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il te dit dans les crafts, quand tu veux mettre un pattern, il te dit déjà ce qu'il connaît en sous-craft. Ouais, ça oui. Voilà, on a les processeurs automatiques. Ah. Ah ouais. Il ne croit pas en plus. Non mais. Ouais. Mon deuxième nom, c'est Thomas. Saint Thomas. On peut taper. Taper, s'il vous plaît. Taper. Et pourquoi taper? Parce qu'il ne me croit pas, donc taper. Alors, donc si je me souviens bien, il nous faut au moins un molécular assembleur et un pattern provider. Ouais. Donc. Il te faut le CPU et la RAM. Oui, oui. Ouais. Attends, déjà, on va connecter ça. Là, pour l'instant, il n'y a encore rien d'automatisé. Ouf, le drame. Alors. Donc ça, c'est par contre, c'est des blocs que vous allez utiliser. D'accord. Là, les molecular assembleurs et les pattern providers. Il me manque du câble. J'en ai marre. Pardon. Je le fais exprès. Maintenant, les patterns et les molecular assembleurs, on peut faire une tour. Pour rendre ça très compact. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, et tu mets un câble dessus et terminé. C'est plusieurs temps que ça. De quoi? Quand je me pose dessus. Non, c'est les quand ce que tu vois marqué tank, c'est les positions des patterns qu'on peut mettre dedans. Ah d'accord. Des crafts qu'on peut mettre dedans. Oui, parce que tu peux utiliser du fluide aussi. Ouais. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, il nous faut ça. Il nous faut donc AE2. C'est quoi les processeurs? En réalité, le molécular assembleur qui est à côté, c'est la table de craft
du pattern engineering, provider. Il faut un engineering. Tiens, il faut les deux. Ah merde, c'est un ensemble des deux. Ouais. Ah bah oui, je peux pas l'autocraft. Je peux pas l'autocraft encore. Il y a pas de CPU. Ah bah non, il faut faire, le CPU et une mémoire, au moins une mémoire. Attends, on va les mettre dedans. J'ai des feux d'artifice là, maintenant. Tac, tac. Hein? J'ai des feux d'artifice. Ah. Où ça? Pas chez moi. Pas chez moi, mais à côté. Dans ta rue, il y a des feux d'artifice à cette époque-là de l'année. D'accord. Bon, on est pour. Bah, j'en ai eu au Nouvel An et à Noël, moi, mais. Oui, bon, à Noël. Sinon, depuis, c'est fini. Oui. C'est étrange, quand même. Ça, qui c'est qui a tapé raid dans mon terminal? Je sais pas. C'est quoi ça, le flux? Pourquoi on a le droit de taper raid dans le terminal? C'est ce qui amène le courant. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que j'en ai vu. Si tu vas tout en haut sur le toit, où il y a les panneaux solaires, t'as le même. Enfin, celui-ci, c'est un récepteur. L'autre, c'est un émetteur. D'accord. C'est le courant via Wi-Fi. Comité de calculation, c'est quoi? C'est Certus Core, c'est ça? Celui qui arrive à mettre ça au point dans le monde réel, il devient milliardaire. Ouais. Calculation, il est où? Il est là. Tiens, branche ça. Pourquoi il veut que je mange en calculation? Pas que tu le manges. J'aurais bien aimé que tu le fasses, mais bon. Hein? Moi, non, non, je te regarde, moi. Voilà. Pas idée. En plus, je sais qui c'est qui a tapé raid sur mon terminal, c'est moi. Ah oui, si c'est ton terminal, oui, c'est toi. À une époque, en fait, les terminaux d'Applied étaient communs à tous. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs les câbles de différentes couleurs, ça existait. Ouais. Tu mettais un terminal de chaque couleur et tu disais bah, le bleu c'est le mien, le violet c'est le mien, le jaune c'est le mien. Ouais, voilà. Il y en a un qui l'utilise, tu te retrouves avec un autre filtre. Tu te dis mais c'est quoi ça? Ah là, processeur. Il me faut un crafting unit, ça c'est bon. Non, mais c'est bien, on apprend des choses. Ça, ou ça? J'ai le co-processing unit, déjà, ok. Il faut leur tirer les verres du nez, c'est pas évident. Hein. Ça va finir par rentrer. Il faut leur tirer les verres du nez. Aussi, hein. Oui, ah bah oui, et oui, oui. Ils font leur popote d'accord. Dans leur coin. Ouais. Oui, comment ça, en popote? Qu'est-ce que tu fais, Calypso, depuis tout à l'heure? T'es dans les coffres. Elle range. Oh, je fais. Elle range les coffres. Ouvre les coffres. À l'ancienne. Calypso est encore à l'ancienne. Non, je te jure, elle a trié le stuff avec tous les plastrons en ligne, tous les casques en ligne. C'est vrai? Ah non! Calypso! Les épées, tout est rangé. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon! Les pioches, les pelles! Je vous écoute, mais je ne sais rien faire, ça m'énerve, alors. Ah oui! C'est quoi, elle a rangé toutes les... J'étais pas prêt! Elle a tout rangé. Oh, mignon! Ah oui, tout rangé. Ah oui, tout. Ah, oui. Ah non, celui-là, il est pas rangé. Les gemmes-là, il est pas rangé. Oh bah attends, je fais ce que je peux. Si vous aviez fou, tu as attends, un de ces bazars. Et puis t'as un clampin qui passe et qui clique sur le petit... Non, impossible. Impossible. Désolé, mais c'est pas possible. Ça sera que... Je rappelle qu'il y a une team, donc non, tu ne pourras pas. Attends, c'est sur la V2 qu'il nous a fait ça dans les coffres en début de partie. Oui. Il avait fait quoi? On avait tout rangé dans les coffres en ligne et tout ça. Et lui, il est arrivé et il a cliqué sur le bouton pour tout ranger par nom. Ouais. Il n'y avait plus rien rangé. On est foutu en bordel. Voilà. Parce que par nom, en fait, ça fait pas des alignements non. Comme ce que je fais là, quoi. Ah. Il y a un casque au milieu perdu là, qui est pas rangé. Alors, un casque au milieu, où ça? Dans le backpack ici, en dessous de moi. Là? Ouais. Et un casque au milieu à la place des bottes. Oui. Un truc chaussure à l'éculotte. Oh là là. J'ai pas de place pour tout bien mettre non plus. Hein. C'est pas évident. Calypso, c'est pour rire. C'est pour rire. Oui. C'est bon. C'est vite. Oh, c'est méchant, Balou. Cousi. Je vais me barrer, sinon je vais me prendre un coup.
T'as plus avec ta main de feu, Calypso. Ah ouais, mais Calypso, elle a pas l'air comme ça, hein. Et puis tout d'un coup, tu te prends un coup de... Hein, sur les fesses, là. Ouais. Parce qu'en plus, si j'ai bien vu, elle a le même point de feu que moi. Ah oui. Oui, c'est... Oui, oui. Oui, elle l'a. Je l'ai. Je sais pas m'en servir, mais je l'ai. Mais tu tapes avec. Et ça met en feu. C'est tout. Voilà. Vas-y, tape-moi avec. Main nue. Voilà. Oula. Ah oui, non, j'ai du torrent. Pardon. Oh, pardon, désolé. Non, c'est bon, c'est normal. Coucou, solitaire. Et coucou. Comment ça va? Comment ça va? Ça a été ton stream? Par contre, dans les backpacks, il y avait une carte au trésor. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Jamais, pour le coup. On peut regarder, je ne l'ai pas fait. On peut la garder et la faire une fois, ouais. Pas grand monde, j'ai que de fatigue. Bah, disons, passez une grosse journée. Voilà. Voilà. Ouais. Ça y est. Je fais mon table du jour. Calypso, faut pas essayer de faire ça dans un play, ça marche pas. Ah non, bah j'essaierai pas. Non, bah non. Non. Alors, je suis un petit peu... PVP l'après-midi. Ah oui, t'étais sur le bédoir. Je suis pas complètement... Non. Voilà. J'ai compris quand même qu'il y avait des choses qui, effectivement, ne pourraient pas... Ah voilà, il a mis le CPU et le... Ah, pour la Coupe du Monde. Ah, d'accord. Voilà. Ça fait du bien du mode éclair. Ah oui, bah tu m'étonnes, c'est quand tu me dis qu'effectivement, oh, quand quoi, tu as le PVP... C'est le CPU et la RAM. Et la mémoire. Voilà, c'est ça. De craft. Ça, c'est les blocs. Voilà. C'est joli. Alors, c'est ça bien, change. Parce que ces trucs-là, c'est des jolis blocs. C'est beau, hein. Ouais, ça change. Oui, mais ils ont cette apparence-là parce qu'ils sont linkés entre eux. Linkés, si par exemple. Si tu les sépares, ils n'ont plus cette apparence-là. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Ah, par exemple, si tu fais ça et ça, si tu les remets là comme ça, oh, c'est joli aussi. Avec le ah, par contre, lui, oui, il garde son apparence, lui. Bah ouais. Oh. Et pourtant, il est bien offline, hein. Il est bien marqué offline dessus. Ah ouais. Peut-être un bug, je sais pas. Ah non, parce que dans ta main, il était normal. Ah non, je sais pas. Voilà. Donc, pour vous expliquer, crafting storage, crafting coprocessor units. Donc, on a un processeur qui peut faire un craft à la fois. On en met deux, par exemple, on met deux crafting coprocessing units, on a deux crafts qui se font en même temps. Mm-hmm. Ça permet de démultiplier les crafts. Ensuite, vous avez le molecular assembler et le patent provider, qui sont juste derrière moi. Oui. Le molecular assembler, pardon, c'est lui qui va récupérer les items qui vont se servir au craft. Comment garder son sérieux? Pas de soucis. Donc c'est lui qui va permettre de récupérer les items et les crafter et renvoyer aussi dans le système. Et le pattern provider, c'est là à l'intérieur qu'on met les patterns pour qu'il apprenne les crafts. C'est un peu comme ce qu'on a mis sur les autres machines, sauf que là-dedans, on peut mettre tous les crafts qui ont besoin d'une table de craft. D'accord. Donc les pots, par exemple, les pots de fleurs, si vous voulez, les briques, la stone brick, tout ça, si vous avez besoin d'une grosse quantité, paf, pattern, on met dedans, autocraft. Voilà. D'accord. Okay. Et ça, on va les démultiplier, c'est-à-dire que sur chaque face du molecular assembler, on peut mettre un pattern provider. Ça veut dire sur chaque face du pattern provider, tu peux mettre un molecular assembler. Un molecular assembler, ouais. Et tu fais des tours comme ça, tu les descends, tu peux en faire des quantités assez gigantesques. Ouais. Donc, pas de souci pour le niveau des autocrafts, on peut en mettre autant qu'on veut. D'accord. Faut juste que ça soit accessible. Commencer peut-être par une petite installation pour qu'éventuellement, si on veut s'en servir, on arrive à peu près. Il va y avoir un terminal de toute façon. Vous embêtez. Vous avez le premier terminal qui va vous permettre d'encoder le pattern, donc pour apprendre, et le deuxième pour placer le pattern au bon endroit. D'accord. On vous montrera dès que ce sera là, parce que là, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Ça arrive. Et là, on est vraiment au bout. Là, on commence à vraiment craft ce qu'on a besoin, mais on arrive au bout. D'accord. Ah, bah c'est bien. Nous manque quoi, deux, trois trucs, et puis c'est bon. Juste les pattern providers à faire l'autocraft, et deux, trois trucs encore, et puis ça sera bon. Bah là, il suffit de mettre les patterns, et on peut déjà... Alors, je suis désolée, attention à ceux qui ont des lunettes machin, mais moi, j'ai pas de lunettes truc schmuck. Ah. Et j'y vois que de quick dans votre truc. Alors, voilà. La lumière, voilà. Ah, mais t'es pas l'éclaireuse de l'extrême pour rien, hein. Voilà. J'y vois mieux. J'y vois beaucoup mieux. Et moi, si t'as 5 minutes pour me montrer le naturel à l'intérieur. Ouais, pas sûr. Je te montre ça. Il faut l'avoir faire ça au pied du Warden. Drôle, bah oui. Moi, je l'ai vu aller devant le Warden, poser une torche juste à ses pieds. Ah, et là, nous, notre naturel. J'ai pas eu un F2. C'est lequel de craft que t'arrives pas solitaire?
Personne n'a de preuve de ce que vous dites. Si, si, c'est en live. On peut retrouver le live. Hein. Ça sera dans la oui, si c'est en... c'est oui, mais pas avec ma vue. Ah non, elle l'a fait juste devant moi. Moi, je l'avais oui, vraiment oui, cadré. Non. Voilà. Non, moi, ce qui était drôle, c'est que le Warden se réveille. Calypso, Calypso était à côté, à poser des torches. Je lui dis, tu veux voir le Warden? Ils apparaissent tout seuls. Hein. Si, si, oui, ici, si, par exemple, tu as ta structure multibloc est bien installée, tu verras les particules apparaître toutes seules. Mm-hmm. Bon, faut pas regarder ça, il y a un autre qui passe par là. Terre. Oh, d'accord. Ça, c'est un... Je crois savoir, j'ai fait l'état dans le void. Et y a un grand... Ah non, ah, non, c'est pas dans le void qu'il faut le faire, c'est dans l'overworld. Tu peux peut-être essayer dans la toilette, ça devrait peut-être fonctionner, mais normalement c'est dans l'overworld. Et t'en as une autre, la deuxième, de Nature Aura, qui est ici. C'est la Crimson Altar, celle-là tu l'as fait dans le Nether, elle ne marche que dans le Nether. C'est celle que t'avais testée au début dans l'overworld. Dans l'overworld, oui, tout à fait. Et ça a pas et marché. Pourquoi ça marche et pas et pourquoi ça marche pas ouais. Oui, c'est ça. Peut-être le Nether. Oui, mais c'est pas indiqué dans le truc, il faut que ce soit dans le Nether. C'est pas ma faute. C'est Mel, il s'est planté, c'est tout. C'est pas ma faute. Mais pourtant, c'est facile. Hein. Tu aurais lui dire. Hein. C'est facile. C'est Mel qui s'est planté. Voilà. C'est bon, ça. Oh, là, je vais plus pouvoir laisser sur des mails maintenant. Je vais bouffer des saloperies. Voilà. Oui, je peux bouffer des saloperies. Adieu les streams des mails. C'est bien, tu fais les erreurs à ma place avant ça. Bah oui, bah voilà. Voilà. J'ai entendu quelqu'un qui se prenait. Oui, c'est moi. Ah. Oui. T'as oublié de manger aussi. Non, je mange des cochonneries, c'est pire. Ah. Un problème. Oh là là, un problème. Oh, mais... ah, tiens, un problème. Un problème. T'as un problème. Un il faut qu'on les retrouve. Ah, faut qu'on les retrouve, de toute façon. Vous n'en avez rien à chacun. Tout le monde est son cousin Peter. Mais c'est dans les loot, hein, ça, c'est dans les coffres. Oui. C'est dans les loot, dans les coffres, ouais, tout à fait. Faudra repartir mais en premier. Pourquoi qu'il twerk ? Bah pour péter. Pour péter ? Ouais, voilà. Oh là 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 là. Je m'en vais, je dois twerker. Alors, y'a un problème ? En fait ? Hein ? Ah, tiens, oh là. Oh, j'ai des flatulences, dis donc. Oh, pardon. Voilà. Eh, va doucement. Ouais, j'ai pas le son du stream. Hein. Va doucement, hein, tu m'as collé au plafond là. Alors, pattern. Ouais, on va voir si ça marche. Ça marche. Oh, non, il nous manque du Certus Quartz Dust. Il nous manque de la dust. Circus. Ah, mais il est peut-être, c'est peut-être encore dans les autres stockages ici, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 1500, donc oui, effectivement. Ah, hop, là, là-dedans. Ouais, ouais. Je crois que j'en ai sur moi. Oui, j'en ai 3600 sur moi. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc normalement, pas de terre, je l'en demande 10. Voilà, 2, 4, 6, 8 et 10. Parfait, je les ai. Ok, donc là-dedans, je mets le provider. Pattern, provider, il y en a 6. Molecular assembler, j'en veux 4. Il me manque des tables de craft. Il sait pas faire le table de craft. Oh, on va lui apprendre. On va lui apprendre à faire le table de craft. Écoute, c'est que ça. Non. Là. Substitution activée. Voilà, c'est ça. On vous montrera qu'est-ce que c'est les substitutions. Le fait qu'il puisse prendre d'autres blocs, par exemple les planches, si tu veux faire des tables de craft, tu peux lui dire bah tu n'es pas obligé de prendre des tables de craft, des planches que de chaîne. Mm-hmm. Tu peux prendre de la beurre. Non, mais ici, il connaît en plus en français, quoi, parce que c'est bien ce que ça veut dire. Ah bon. Ah. Pourquoi pour des débiles en plus? J'ai perdu une occasion de le faire. Ouais. Tac. Tac. Et tac. Paf. C'est meilleure vie, la branche de Backpack. Ah ouais, elle est encore en train de ranger. Voilà.
Ah. On t'a pas fait venir pour ça? Pattern. Alors, c'est le pattern de terminal, je pense, pas de bêtises. C'est vrai, c'est vrai. On m'avait pas fait venir. Ouais, ça m'a besoin de le voir. Bah, tu vois, on est dans la bonne dimension. Ça m'a tout de suite au bon endroit. Voilà, tu vois. Tac, tac, tac. Allez, vas-y, crafte-moi ça. Oh, ne serait-ce que pour faire, même si et tu as pas tout, temps, mais au moins les premiers fait dodo. Non, il dort pas, il regarde ses séries. Je sais pas, on n'entend pas. Bon, bon, là, il répond plus quand même. C'est motocraft, les câbles. Je vais être encore obligé d'aller le border. Tu dors? Voilà, voilà. Allez, vous voulez un petit cours sur suivant Fly? Allez. Il y a un nouveau terminal qui vient d'apparaître. Pattern Access Terminal. Vous cliquez droit dessus et vous voyez. Et bah du coup, vous voyez du coup les interfaces. Donc les fameuses interfaces qu'on a mis sur les Advanced Inscribers, comme le nom est marqué dessus. Et les interfaces qui sont branchées sur les molécules assembleurs. Ça, c'est ceux-là que vous allez utiliser pour les crafts qui nécessitent de craft, en fait. Le molécule assembleur. Ouais, ouais. Donc, si jamais vous avez besoin de quelque chose en masse, donc vous allez dans le terminal du milieu, dans le pattern encoding terminal. Ouais. Terminal du milieu, Calypso. Ouais, attends, je vais pas la tête trouver. L'autre milieu. Oui. Baissez la tête un peu. Je crois que attends, regardez. Ah, baissez la tête, attends. Ah, baissez la tête. Gentiment, s'il te plaît. Okay. Voilà, là. Donc, tu prends par exemple, je sais pas ce que vous avez besoin en grosse quantité. Enfin, pour l'instant, on sait pas, mais bon. Allez, un pot de fleurs. On va faire un pot de fleurs. Donc, tu tapes flower. Flower, vous allez trouver le flower pot. Donc, pareil, tu cliques gauche dessus pour avoir la recette. Je trouve que. C'est des fleurs, hein. Quand je dis que je tape flower. Hein? Tu trouves pas le pot de fleurs? J'ai que des fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 6ème. Flower. Mais j'ai pas, moi. Regarde, j'ai que des fleurs. Flow. Attends. Voilà. Flower. Moi j'ai. Non, Hour. Alors j'ai même pas. Ouais, bah Flower. Ah, dans J8. Non. J8, Edgy. Ah, à droite, Edgy. À droite. Dans J8. Ah, non, dis pas. Pardon. Ah, dans le terminal, là, dans ta liste qui est tout à droite. Ok. Oui. Dans la première ligne, t'as le oui, non, non, c'est bon, c'est bon. Donc là, tu vois le petit plus, il est en jaune et c'est marqué encode pattern. D'accord. Tu cliques dessus. Ouais. Donc là, il te montre la recette qu'il veut. D'accord. Donc, pour l'instant, on est toujours bon. D'accord. J'ai une petite flèche vers le bas, c'est marqué encode pattern. D'accord. Oui. Vas-y, cliquez dessus. Enfin, une seule, attention. Donc là, en fait, il t'a mis un pattern et il t'a mis la recette à l'intérieur. Donc celui-là, il faut le prendre. L'une de vous deux, elle peut le prendre. De quoi? Bah vas-y, prends-le. Le, ouais, voilà celui-là, et ensuite vous allez dans le terminal qui est juste au-dessus, le pattern access terminal. Ouais. Et là vous allez mettre dans n'importe quel endroit où il y a le molécular assembleur. D'accord. Alors, je n'importe quel endroit, tu veux dire là Peu importe, voilà. Peu importe, ouais, vraiment, okay. Peu importe. Ouais. Hein, vraiment, okay. Donc du coup maintenant vous avez appris à Applied à faire des flower pots. Pour en faire, il faut aller dans le crafting terminal, donc le terminal qui est tout en bas. Vous voyez le flower pot avec marqué craft en dessous. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez la quantité que vous voulez. D'accord. Et après, vous faites next. Et normalement, ça va lancer le craft. Non, il me manque 30 briques de... Voilà. Donc, si il manque jamais, s'il manque des choses, donc oui, il vous le dit. Et donc, il faut lui donner ou lui apprendre comment en faire ou lui en donner. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Donc, oui, pour l'instant, il va falloir qu'on ait ramassé de la clé et tout ça. Quoi. Ok. C'est ça. Après, on a un poulet, par exemple, qui fait de la clé, donc ça sera accessible sur Applied. On lui apprendra la recette pour transformer la clé en brique. Et du coup, là, il va pouvoir les utiliser. D'accord. Et coucou solitaire, du coup. Goldarius, il fait pas dodo, il est là. Oui. Ah, il dort pas. Ah. Ah oui. Voilà à peu près l'autocrafting sur Applied.
D'accord. Refine, c'est à peu près pareil. Okay. Vous avez un pour encoder les patterns, un endroit où vous pouvez mettre les patterns aussi. Par contre, c'est pas les moléculaires assembleurs c'est... comme là. Sur Refine, là, c'est des crafters et c'est un seul bloc. Tandis que Applied, il faut plusieurs blocs pour les crafter. Ouais. C'est un peu plus compliqué à Applied. Mm-hmm. Mais bon, après, le principe en lui-même est exactement le même. Ok. Ah, ok, solitaire. Ok, ok. Y'a pas de soucis. Faites bonne nuit. C'est ça? Il s'en va, non? Bah non. Pas fait, non. Ah bon? Pardon, excuse-moi. Désolé. En fait, je lis alors j'invente des histoires. Moi, j'aimerais bien les speed cards. Non, y'a pas les speed cards. Si. C'est les accélérations de cartes. Les accélérations, ouais. Voilà. Quand j'ai vu la vitesse des inscribeurs des mails. On va lui apprendre les deux. Yap, là. Il était en train de chiquer les trucs. Voilà. Donc, si on veut les accélérations de cartes, du coup, maintenant, j'en veux 10. Moi, je vois pas ce que tu fais, par contre, dans le terminal. Bah non, puisque c'est un terminal chacun du coup. Tu peux le voir. On ne sait plus voir comment faire quand les crafts qui sont en cours. Il n'y avait pas un terminal pour ça. Pas de soucis, t'as le crafting terminal. Sinon, j'aime bien te border le soir quand tu fais dodo. Non. Ah putain, non, si, il y a une interface. J'étais encore bordé hier soir. Je viens de la mettre dedans. C'est pas le pattern access, c'est le MU terminal ? Non, c'est pas ça. Non. Voilà, donc du coup, ça. Et paf ! Ça fait des chocs à pied. En fait, j'ai rajouté des accélérations de cartes dans la porte bus et du coup, bah, il la porte beaucoup plus rapidement. Ah oui, il y a tout qui est vide. Attends, si tu veux, je te montre la vitesse maintenant que ça fait. Okay. Attention, je vais casser le bloc. Donc, je vais poser le bloc. Attends, c'est lequel ça? C'est le vide ou c'est le plein? Je crois que c'est le plein celui-là. Oui. 300, 280, 250, 220, 200, 150. Il y avait encore une cellule de 64K dedans. Voilà. 100, attention. Plus que 9. Voilà, 0, c'est là. Voilà. C'est vide. C'est bon, c'est vide. Hop, c'est quand même plus rapide que ça. C'est quand même beaucoup plus rapide. Incroyable. Pattern encoding terminal, je crois. Mais non, le pattern encoding, c'est pour encoder, justement. Mais pour voir les crafts qui sont en cours. Voilà, c'est là le crafting statue. Ok, j'ai trouvé. Eh ben, y a plus besoin de terminal. C'est directement dans le crafting terminal. Ah, d'accord. C'est en haut. Oh, bah, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, je l'ai changé. Ah, bah, il est vide. Voilà. Suivant. D'accord. Parce que je le voyais la tête en haut, j'ai dit oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah du coup, il y a plein de briques qui sont parties pour les pots de fleurs. Ah oui, là tu vas pouvoir les faire, les pots de fleurs. Ah, comme ça par l'intérieur, ouais, quand même, c'est vachement mieux. Donc du coup, les accélérations card, on va mettre de partout. Hein. Faisons-moi 10. Ah, il nous manque du flux cristal. Ah oui. Les vides, tu les mets dans Apply? Les quoi? Les modular storage vide. Oui, tu mets tout dedans. Vu qu'on peut tout stocker maintenant dedans, on est tranquille. Hop. On n'aura plus de soucis, on peut plus rien récupérer dedans. C'est... Ah, on peut tout mettre. On va vraiment tout mettre à l'intérieur. Zut, c'est lequel qui est plein? Je sais plus lequel c'est. Oups. Bon, on va essayer celui-là. Ah, c'est bon. Oui. Bon. Mais du coup, même les coffres là à côté, on va tout vider. Hein. On vide tout. Toutes les gemmes, ça part à l'intérieur d'Apply. J'en ai déjà vidé. Hein, mais... Yalisho, je suis désolé, t'as tout rangé, mais on met tout dans Apply. Non, pas le stuff quand même. Il y a l'armoire à armer. Ah, on peut essayer avec l'armoire cabinet. Je sais pas comment ça marche ce truc là. On va regarder sur internet. J'imagine que tu mets dedans, voilà.
Ça donne quoi au niveau des disquettes là? Attends, oh non, on a une Kepen qui est même pas encore pleine. Non, bah non, même pas. On est à 50 000, 64 000. J'ai mon bazar. Ouais, là, ça va. On va terminal. Au moins une. Ah, on a le terminal devant toi. Le crafting terminal, tu mets tout dedans. Bon, alors j'y vais. Bon, et je prends les deux derniers trucs. Hop là. Hop là. Mais ça va prendre une place infinie, parce que ça va jamais se stacker tout ça. Non, ça c'est pas grave. C'est, y a, en fait, le, normalement, la plaque de base, c'est, effectivement, ça fonctionne avec des stacks. Tu peux pas mettre sur disquette, par exemple, une disquette de 1K, tu n'as que droit qu'à 63 types différents d'items. Sauf que nous, sur le modpack, on a des dérangements à disquette qui sont infinis. Il prend pas en compte les types d'items. D'accord. Il prend en compte que le nombre d'items qu'il y a à l'intérieur, en fait. Ouais, voilà. Ce qui lui fait ressembler à Refine, et c'est très bien comme ça. Parce que j'aime pas Apply. J'aime préférer Refine. C'est moins chiant. D'accord. Donc le Chanel Infini Mode en plus, alors là, comment dire. Moi, je préfère Apply. Donc vous allez enlever tous mes beaux rangements que j'ai tout fait. Bah, on met tout dans Apply. Ça fait plaisir, hein, mais c'est fini. Tu veux les garder? Tout est dans Apply. Mets tout dedans. Regarde. Okay. Là, il faudra encore faire les télécommandes d'Apply par contre. Oui. Alors faut que je regarde comment c'est quoi les security cards, je crois, où je vais piquer votre ADN. Quoi? Je vais piquer votre ADN. Je veux pas de piqûre. Si. Non. Je vais me cacher. Ah oui, non, c'est pas. Cacher, tiens. Hop, je vais me cacher. La gueule. Tu fais pour aller là-dedans et récupérer. Voilà. Un memory card. C'est ça. Elle est où? Est-ce qu'elle joue? Je suis cachée. Ah, c'est la biometric card qu'il faut? Je suis cachée. Je sais plus. Toi. Voilà, vider les gemmes. C'est dans AE2 en plus le truc à distance. Si alors, attends. Il faut la wireless terminal. Oui, il y est tout de toute façon. La wireless crafting terminal, pardon. Le security terminal. Et il y a une espèce d'antenne à mettre sur le security machin là. Mais je la vois, tiens. Ou alors ça a changé encore. Déposite. Oui, autorisé déposer, il va te retirer, à crafter, à build. Tiens, on met ça comment? Ah si, elle est là l'antenne. Il y a le wireless receiver à mettre sur le security block normalement. Non, sur un câble. Tu mets ça sur un câble. Sur un câble? Oui. Je sais pas, j'avais en tête le sécurité. Ben, il manque juste une Flux Perle. C'est bien la memory card qu'il faut, non? Un peu plus. Ah, il faut encore du Flux Crystal. Bon, tu le sens que les inscripteurs, ils sont pas rapides. Hein. Non. Ah bah il y a une quête, voilà. Il veut nous le dire, bah voilà. Alors, s'il était dans quoi c'est là? Non, pas sur HBus. Alors, c'est votre passerelle entre votre Nether et votre Winner, ça se met sur Winner Terminal et tout, et tant que je lui connecte, il se touche de notre truc, d'accord, c'est mais... C'est endormi au petit coin. Ah non, la memory card, c'est pour les P2P. Ah non, mais on s'en fout, les P2P, pour l'instant, on n'y est pas. Oh non. On n'y est pas à la bonne instant. Bah, la P2P, contre, t'en as pas l'utilité, t'as visé le channel. Ouais. Bah, si, pour tuer les câbles sur longue distance, non. Bah non. Ah non, c'est Quantum Ring. C'est Quantum Ring. Ouais. Voilà. Mais c'est très bien sur le channel, c'est très bien. Les P2P, c'est pour gagner des channels. Ouais, c'est très bien comme ça. Bon, c'est bien l'aide P2P. Non, c'est pas bien les channels. Les Chanel, c'est pas bien. Si. Oh. C'est pas bien, les Chanel. Fais pas ta mauvaise tête, c'est très bien. Merde. Je vais me prendre des coups. Comment ça grenier, ça va. Ouais. Bien mauvais. Station Canopy Located. Bah... Ah oui, attends, c'est comme moi déjà. C'est ça. Mais il a pas mis. Tu mets ça dedans. Le truc, ah, voilà. Fait. Si. Bah si, il l'a mis. Wireless Terminal, on est bon. Si je le vois pas. Enfin bon. Tu veux vraiment savoir? Oui, Big 2. Voilà, oui, c'est bien.
Ah ouais, je suis bouleux, ça va. Mais oh, pardon. C'était lui que je visais. Mais c'est pas moi. C'était dans le finish que je visais. Aïe. Non mais... C'est pas toi que je visais. C'est quand même de dingue, ça. Alors, après, les fixes perles, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite. Mais c'est lui, il a dit que j'étais bigleux. Allô, pourquoi ah, la la preuve, je ne sais pas viser. Pourquoi voilà. T'as peur oh, on peut se poser sur la lampe, tiens. Aïe, c'est bon. Oh, j'accède, c'est bon. donc, du coup, les patterns, ça c'est bon. Oh, mais... Alors, les wireless terminals, on a besoin de ça. Tu fais quoi? Tu fais les télécommandes? Ouais. D'accord. Yep. Par contre, il me faut les cellules. Ah, je suis pas dans le bon terminal. Ah, tu sais tout de suite quand t'es pas le bon terminal d'encodage, quand tu n'as pas le petit plus à côté, tu fais merde, je suis pas dans le bon. Merde. Ça lui fait pas mal de tête bizarre à Balou, bon. C'est ça, honnête. C'est bon. Ouf. Bah, t'as les mêmes. Oui, j'ai pas la même tête. Ah, mais c'est marrant parce qu'on voit tes yeux en dessous. Oui. Attention, quand même, fils cristal. Ouais. Il manque du fils cristal. On a besoin de fils cristal. Il faut du fils cristal, oui. Il manque fils cristal. Hein? Allez, au boulot. Hein? Au boulot? Quoi? À lui? Allez, allô, boulot, hein? Allez, bossez. Et qui raconte? Et bossez un peu, non? C'est quoi, redstone? Ah, il faut des chargeurs en plus. Merde. Attends, je ne sais pas tout faire non plus. Non mais où? C'est pas en plus. Galas crafting terminal. Attends. Craft, ouais, ouais. Et. Ah bon? Il est mort de rire, qu'est-ce qu'il a encore? Ah, parce que j'ai dit, c'est... il allait m'aider quand même, et je me tourne, et il me regarde, il bouge pas, avec leurs yeux verts. Je suis en train d'essayer de prendre du Certus Quartz dans le truc, j'arrive pas à le prendre. Mais non, en fait, c'est son admiration. Ah, moi j'arrive. Ah, d'accord. C'est le Security Terminal. Tu sais que c'est à cause de ça. Je comprends rien, moi. Mais comment on fait? Ah non, j'ai pas accès. Oui, alors, il faut bien la carte biométrique alors, mais par contre tu la mets comment dedans? J'arrive pas à la mettre dedans moi la carte biométrique. On n'a plus accès au stockage, donc on peut plus rien faire. On est obligé de le regarder. Ah, voilà. Bah c'est malin. Vous m'avez fait tout défaire les coffres et puis maintenant... Mais non. Dans des minutes Faut juste que je sache comment on met ces biométriques cartes, je me rappelle plus. Il y avait une fente dedans. C'est trop drôle. C'est trop drôle, vous entendre aller, ça me fait trop marrer. T'es pas censé la mettre directement dans le terminal sécurité? Je m'appelle plus. Normalement, si. Mais... Oh, je sais pas. J'ai fait l'offering tablet, c'est Overworld aussi. Oui, je pense que de toute façon, tout Nature Aura, c'est Overworld, mis à part le Crimson Altar. Dans le petit menu à gauche, on te dit peut-être, non? Petit menu à gauche, j'ai pas de menu. Terminal style, non, c'est pas ça. Terminal setting, c'est pas ça non plus. Non, et c'est pas droite. Ça. Non, j'ai pas essayé d'implanter. Non, à droite, c'est que pour mettre le wireless terminal et pour le. Ah ouais. Le crafter dedans. J'ai même pas regardé, j'ai plus accès. Non, on peut rien faire, mais. J'ai pensé. Ah, attends. Si je fais ça comme ça. Ok. Ah. Ah voilà. Je suis rentré dedans. Oh. Ok. Alors j'ai mis une biométrique card blanche vide et normalement ça accède à tout le monde. Mm-hmm. Donc normalement vous devrez avoir accès à nouveau à tout applied. Donc tu devrais pouvoir retirer le Certus Quartz. Ah voilà, ça marche mieux.
Ouais, par contre, ça veut dire que en tant que joueur, j'ai pas pu mettre dedans. J'ai pas compris pourquoi. Par contre, la carte vie, la carte vierge, j'ai pu la mettre. Mais bouge. Ouais, va savoir. Hein, qui c'est qui bouge? Non, c'est moi. J'ai du mal à bouger. Bon. Je sais pas pourquoi. Bon, on va les charger. Par contre, moi, je vois bien les crafts que t'as fait dedans. Oui, mais on y a à nouveau accès maintenant. Ah, t'y as accès maintenant, t'y as accès, oui. Ah, et les crafts, tu peux les lancer toi-même. C'est Eddie qui ramasse, qui. Mais qui j'ai rien fait. Les... Ah si, il a récupéré le chargé de Certus Quartz. Oh, il ressemblait pas à ça. D'ailleurs, pour le charger, avec un Tesla Coil. Voilà, là, je suis en train de les charger, là. Il ressemblait pas à ça, avant les charger, là. Je sais pas. Non, ils étaient pas non, comme ça, ils avaient la tête. Forme de l'autre, non. Du premier truc. Oui, mais... avec les éclairs. Ah oui, ouais. Mais avec l'éclair dedans, oui, juste. Mais là, je les reconnaissais pas, je me demandais ce que c'était. Alors, comment on va pouvoir faire ça Le Black DE. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Et coucou. Salut. T'es à l'intérieur. Hello. Alors, on va essayer d'automatiser ça. Hein. Paf, le bassin ici. Côté on va essayer d'automatiser le... Mais ça saute. Et ouais, mais ça saute partout dans n'importe quel sens. Ouais. Et là, je cherche. Et là, je cherche. Ah oui, d'ailleurs, vous avez un slot curieux pour le terminal. Ça, c'est bien, ça. Oui. Ça veut dire qu'il doit y avoir une touche pour y accéder. Oui, il doit y avoir une touche à binder, ouais. Terminal, open, wireless terminal. Tiens, haut. Ah non, j'ai un conflit. Oups. Mais qu'est-ce qu'on en fait de notre ancienne tablette? On peut l'acheter? Tu peux la mettre dedans. Là, tu peux l'acheter, il n'y a plus rien. On a tout retiré. Ah, Applied, c'est bien. Tout retiré des multi-blocs qu'on avait, du RF Tool. On a tout retiré, d'accord. On a mis dans Applied. Tout est dedans, là. D'accord. Ouais. Okay. Donc maintenant, on n'accepte plus qu'ici. Là, on est en train de faire les télécommandes. À quelle vitesse? Vous n'avez pas tout transporté dans vos sacs? Non. C'est un petit bloc qui va importer d'un inventaire. Donc on l'a connecté, si tu veux, au stockage, sur chaque stockage. Du coup, il a aspiré tous les items pour les insérer dans son propre système, tout simplement. Okay. Et en plus, avec les accélérations de cartes, on a accéléré ça à une vitesse incroyable et ça s'est vidé en deux temps en mouvement. 10 secondes le bloc et ça allait. Au lieu de 20 minutes, voilà, il passe à 10 secondes. Eh, c'est pas moi. Donc la tablette scanner. Ah oui, voilà, Tile Entity is missing. Donc en fait, voilà. Celle-là. Donc ça, tu peux le mettre dans la plaque aussi. Tu peux le mettre dedans. Pourquoi je suis en train de vous. Parce qu'on va plus s'en servir. Bah oui. Ou tu peux la jeter si tu veux. Comme tu veux. Oui, d'accord. Ok. Après, tu sais, on peut stocker un nombre quasiment limité d'items. Voilà, on peut se la péter maintenant. Voilà, on peut se la péter. Donc, on est plus à ça près. Par contre, il y a des fouettes encore. Ah. Ah non, j'ai des fuites. Ah, pas le même ça. Ah. Pardon. Ah. Ah, la branche ici. Paf. Ok. Du coup, est-ce qu'on pourrait connecter directement, tu penses, une interface sur le bassin? Une interface, ça je sais pas. Sur le bassin, non. La pattern interface, je sais pas si elle va interagir avec ou pas. On essaye, hein, mais. Pour la science. Tu la connectes et tu regardes ce que Apply te dit. C'est ça. Tu veux mettre une bassine sous les gouttes? En fait, on va utiliser le mixeur des criettes pour créer des cristaux, des flux cristal. Et on va savoir si Applied est capable d'injecter directement dans le bassin en partant de son système à lui. Mais ça, je ne sais pas du tout. D'accord. Parce que la goutte d'eau, là, tu l'as pas bien placé ton bassin. La goutte d'eau, elle est là. Hein. Oui, c'est vrai. Ça n'est pas besoin par là. Non, c'est juste que c'est non, c'est des fuites. Voilà. Mais non, mais je plaisantais, c'était juste pour vous faire marcher. Je sais. Il marche pas là. Voilà. Il n'y a plus de goutte d'eau. Fini les gouttes d'eau. Pour une
une fois que c'est moi qui peux faire une plaisanterie stupide. Par contre, j'ai pas de câble, assez de câble. Ah. Encore ? Il me manque des flics cristal. Bah ouais, mais deux secondes, hein. Je suis en train d'essayer d'en faire. Là. Je suis en train de faire les charger de là. Hmm. Ah, c'est... Ouais. Bah, moi, je crois que je vais vous laisser parce que... Une grosse fatigue qui me tombe sur les... Ouais. Le marchand de sable qui... Qui va passer ? Oui, qui va passer. Bah, merci pour la soirée. C'est sympa. Merci Calypso. Des bisous. Bonne nuit. Bonne nuit Calypso. Bonne nuit Calypso. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Reposez-vous quand même. Dormez, hein. Ouais. Ça va, il n'est pas encore minuit. D'accord. Oui, bon alors, permission de minuit, hein. C'est tout. Hein. Merci. Allez, des bisous. Je déborde, bisous. Ouais. Amusez-vous bien. Bisous à demain. Je crois qu'on va déborder. Un petit peu. Pas trop, hein. Parce que moi demain matin j'ai un patron. Ah, il a pas encore mis le moteur. Eh bah, deux bah minutes Mais les items sont déjà dedans, hein. Mais. Ouais, ouais, mais je croyais que t'étais pressé de les avoir, tes machins là. Eh bah, deux secondes. Oh là 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 là. Alors, ils sont où tes items, hein, hein? Là. Hein. Alors, je suis curieux de savoir s'il y arrive ou pas le applied. Tu vois. Non, tout payé. mais passe pas devant. D'accord. On va faire monter ça comme ça. Oh bah. Oh là, pardon. On se laisse aller. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, hein. Mais pourquoi j'arrive pas à le revoir celui-là ? Alors, est-ce qu'il le voit au moins ? C'est trop marrant qu'il arrive à le voir. Alors ? Non, j'ai pas l'impression qu'il arrive à le voir. Non, il le voit pas. En même temps. Donc du coup, ce qui pourrait être assez marrant. Et coucou Nova, comment ça va? Coucou Nova. Ça y est, tu as fini le boulot? Pattern, ouais, non, il le voit vraiment pas. Bon, tant pis, bon pour la science, on le sait maintenant. Il ouais, faudra passer par le pattern à un coffre et lui mettre les câbles avec des filtres. Petite question, vous savez c'est comment fonctionne Functional Drawer C'est les drawers là, c'est Functional, ce qu'on avait. C'est les drawers, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est des drawers quoi. Ouais. Tu veux savoir quoi? La seule différence avec les drawers, les storage drawers, c'est que le contrôleur n'a pas besoin d'être relié physiquement aux drawers. Ils n'ont pas besoin d'être les uns à côté des autres. Agneset, Nova? Les extensions. Du coup, tu es obligé de mettre un tapis et tout devant? Oh, ça va être chiant, ça va automatiser, ça va être chiant. Quoi? Ah! Eh, mon interface. Mais oui, mais que tu l'as cassé. Mais ça marchera pas comme. Tu l'as cassé au moment où je cliquais pour récupérer le truc dedans. Tu crois qu'il passe en travers ou pas? Ça sera marrant. Ça sera rigolo. Tiens, je t'ai rendu un câble. Tiens, l'interface. Newcraft et compagnie, oh, ils se sont amusés, ils ont fait de leur apply là, leur truc tordu. Ils n'ont pas tordu. Si. Du coup, create, on va avoir besoin des shafts. On va falloir faire une entrée, une sortie. On a fait ça. Après, on va faire du create. Ça t'aime bien, Edgy, create. Ouais, create, j'aime bien. Mais je vais pas faire ça maintenant. Hein. Je pense que je vais couper le live. On va aller faire dodo, quand même, prendre des forces pour demain matin. Qu'est-ce qu'il va nous avoir inventé encore, patron? Ah. Ça,
C'est le risque. Les extensions de contrôleur car elles ne veulent pas fonctionner chez moi. Alors ça. Les extensions de contrôleur. Ah mais me lâche pas le truc ici. Hein? Eh? Il m'a chié le flux cristal sur le tapis. Les extensions. C'est pas ça, je veux l'assurer. Si vous... Non mais arrête. En tout cas, la sortie, ça fonctionne. Mais je veux pas que ça soit une sortie, je veux que ça soit une entrée. Vous verrez bien ce que vous aurez sur la V4. Mais c'est bien tout. Là, ça a l'air d'être bon. Parce qu'on va très bien. Là, normalement, il me l'assure, il a. Dans les égouts. Eh, tu me. Oui. Ouais, bon. Putain, j'ai une idée. Qui vous fait ? Donc, je sais pas. Ah, il y a un shaft dans c'est le. C'est pour ajouter de l'RNG. Ah, mais c'est quoi ce truc que j'avais en main ? Je sais non, pas ce qu'il fonctionne pas. Il a fini de me balancer ce truc. Tu fais ça comme ça. Non, ça marche pas ça. Oh, pardon. Ah si, ça doit fonctionner aussi ça. Tu les mets en appart, tu mets l'interface directement sur le chest. Je suis super contente parce que... Ouais. Il y a un fork de l'Aitmatica. Oh, pardon. Sur Forge. Je suis vraiment désolé. Du coup, hein. Je vais le mettre sur Tamizi pour pouvoir récupérer vos bâtiments beaucoup plus facilement. Tu peux me passer les flux cristal, s'il te plaît. Hmm? Tu peux me passer les flux cristal. Les flux cristal, s'il te plaît. J'ai pas compris ce que tu voulais. Les flux cristaux. Ah, tiens. C'est l'Aitmatica, voilà. En fait. Il s'appelle autrement, mais c'est l'Aitmatica. Eh si. Quand tu ouvres l'interface, c'est l'Aitmatica. Ouais, je l'ai essayé. C'est comme ça. Le pattern je l'ai essayé machin en 19, ça fonctionne très bien. Et un import bus sur la sortie. Ben, je t'avoue, je préfère utiliser ça plutôt que World Edit, voilà. Parce que World Edit, c'est un il est plus lourd. Hein, il ne voit pas le chest non plus. Ah, ça, c'est pas normal. Ben, je sais pas ce qu'il faut. C'est pas vraiment une machine en elle-même. Hein. Non, c'est pas la ME interface qu'il faut, c'est le même que derrière les machines ici. Le pattern. Ouais, ça se fait, hein. Je l'ai fait de la V2 à la c'est V3. Avec ah oui, non, mais je suis con. Ah, mais oui, je suis con. Eh oui, je suis con. C'est toi qui dis, c'est pas moi. Ça fait plusieurs fois qu'il bah, le parce dit, que ouais, c'est vrai. Hein. Ah, bah, du coup, ça aura dû marcher alors là. Ah, attends, on va réessayer. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser. Je vais arrêter le live là. Je vais tous vous envoyer chez Monsieur Dolphinus. Hop. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Et on se dit à demain matin chez le patron, enfin tout à l'heure. Non, à tantôt. Attends, oui, depuis 2 minutes. Et à lundi après-midi sur Tamizi. Voilà. Et le voit le bazar. Bonne oui. Vous donnez des lives. Bonne nuit à ceux qui viendront pas chez moi. Voilà. Hop. Bonne nuit et bienvenue. Hop, le raid est lancé. Je vous fais des bisous. Tabazo. Yep.